où se trouve d'ailleurs la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Mehara. On est vraiment à la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une émotion vraiment toute particulière. On a l'habitude de venir chaque année, comme vous le savez, à Méron. C'est des centaines de milliers de pèlerins. On parle de combien de pèlerins normalement chaque année? C'est énorme. C'est-à-dire, moi, je peux pas compter, mais on le voit. J'ai l'habitude de venir en bus. Bah, figure-toi, Noam, que moi j'ai entendu des chiffres. On parle l'année dernière de 600 000 pèlerins. 600 000, mais c'est énorme. Qui étaient là, qui étaient dans ces lieux ici, à la Mehara et également à la tombe de Rabbi Shimon. C'est incroyable. Et 600 000, ça te rappelle pas quelque chose? Bah, 600 000, mais du peuple juif qu'on a reçu la Torah. Shishim Ribo. Comme ça, ça a été dit sur la maman de Moshe Rabbeinu lorsqu'elle était enceinte. Nahon, eh bien, il y avait en elle, Moshe, qui allait bientôt délivrer le Ham Israël. Et Moshe, sur lui, qui représente la Neshama Kolelet, la Neshama qui englobe toutes les âmes du Ham Israël. Eh bien, on sait qu'il y a Shishim Ribo Neshamot, 600 000 âmes 600 000, exceptionnel. Du Ham Israël. Mais pourtant, année, dis-moi. Non, je te vois là juste comme ça, t'es rayonnant, t'as bien bronzé, en plus t'as passé une journée de folie, je vois. Ceci, ce n'est pas des effets spéciaux, messieurs, dames. C'est une vraie barbe. C'est une vraie barbe de Homer. Vous pouvez la commander si vous voulez. Moi, j'ai une petite, mais lui, c'est exceptionnel. Donc, il faut trouver quelqu'un pour lui, un bon coiffeur. On va trouver Bezat Hachem. Pour moi aussi. Non, je rigole, tu le prends pas mal. Non, mais on le sait. C'est pas un secret. La barbe du Homer, c'est quelque chose qui... Non, on te voit comme ça, Betzalel, mais juste les gens t'ont vu hier soir, c'est sympathique. Mais d'ailleurs, c'est à partir de quand qu'on peut la couper? Qui es-tu, Betzalel? Attends deux secondes, la barbe, on la coupe quand? Et ben, je pense que c'est demain matin. Je crois obligé, pour les Sparadim. Je crois qu'on peut à partir de demain matin. Et voilà, on est bien content, de pouvoir la couper. Après, il y en a qui gardent la barbe, je comprends. Si on est hipster ou ce que vous voulez, ou même rave ou sadique. Mais voilà, il y en a qui taillent la barbe. En tout cas, ce sera demain matin pour les Sparadim. Betzalel, je vais juste te poser une question parce que les gens peut-être ne te connaissent pas, mais moi aussi, hein, voilà, moi j'appelle Noam Abiton, lui c'est Betzalel Ben Lolo. Alors qui es-tu et d'où tu viens? Parce qu'on te voit comme ça, on dirait un journaliste de BFM TV. bonjour messieurs, dames, bonjour. Alors, qu'est-ce que je suis dans la vraie vie? Je suis Betzalel Ben Lolo, effectivement, thérapeute conjugal et coach en développement personnel. J'exerce à Jérusalem, à Beit Vagan, j'ai mon cabinet de consultation d'ailleurs. Il fait sa pub en plus, il est exceptionnel. Bon, c'est pas dans le programme. Enfin, c'est pas le programme, exceptionnel. On a envie de savoir qui es-tu. Voilà, ça commence bien, on est entre amis parce qu'on se connaît avec Betzalel, Baruch Hashem. Je chante aussi, je suis chanteur, je suis Zamar, je suis Paitan. Fais-nous une petite chanson alors, Betzalel. Ouais, ça aussi, c'était pas prévu, non. Allez. Aïvei amartem kolechai, Rabbi Shimon bar Yochai, va amartem kolechai, Rabbi Shimon tzadikai. Allez, tout le monde danse, allez, je vais vous voir dans vos salons là. Que de la fête, que de la joie, que de la simcha. C'est là. Il n'y a pas de rasra ici. Non, faut... Tout ce qui est rasra, on jette, ça y est, le confinement, machin. On jette, on prend que la simcha, que de la joie, que du bonheur. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça d'ailleurs. C'est la folie. C'est du hesh, c'est du feu. Et c'est quoi ce feu? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Pourquoi on allume un feu à l'Akba Omer? T'as pas entendu quelque chose là-dessus? L'Akba Omer, on a l'habitude effectivement d'allumer principalement ici sur le Har Meron des feux. Et des feux, hier d'ailleurs on a tous assisté en live, direct live depuis Méron, à l'allumage principal, la Hadlaka Merkazit, qui a été allumée par le Admour Miboyan et également par le Rav Shlomo Amar. C'était des moments d'émotion vraiment inexplicables. Il fallait être là pour le ressentir. D'ailleurs, je pense qu'on va voir dans quelques instants des images de ces instants, de ces moments. Méron, de Noé, etc. Non, juste ce que je voulais te dire hier, c'est que moi, j'étais chez moi hier. Et moi, bon, prochain, ça fait déjà 5 ans que j'ai l'habitude de venir à Méron. Chaque Lac Baumer, je viens. D'accord. Et on vit bien sûr des moments exceptionnels, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais moi hier soir, j'ai vécu vraiment une soirée spéciale. Parce que j'étais en famille, mais j'étais seul, on ne pouvait pas sortir. Donc j'étais à la maison, on a allumé des bougies. Et j'ai ressenti vraiment quelque chose de spécial qu'on ne ressent pas tous les ans. C'est-à-dire que moi j'ai même entendu de la part d'un rave, je ne me rappelle plus quel rave, mais que cette année spécialement Rabbi Shimon se trouve dans chaque maison. Alors c'est vrai, effectivement. Je t'arrête un petit instant, Noam, parce que là, on voit à l'écran, on peut voir des images d'hier soir, oui. De l'allumage, comme on disait à l'instant, de l'allumage Merkazi qu'il y a eu à Méron, juste à quelques mètres de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, on a l'habitude de voir des centaines de milliers de personnes autour, avec de la musique, une joie exceptionnelle. Là, on voit vraiment un moment solennel. Avec l'admour de Boyan, je crois, c'est bien ça. Hein, voilà. Effectivement, c'est le admour de Boyan, une des très grandes chassidim. On voit la Kedusha, on voit sur son visage vraiment de l'émotion qui est mêlée avec de la joie, beaucoup de joie. Et
que j'ai compris, je crois d'ailleurs, l'Admour de Boyan, c'est le premier allumage qui a lieu à Méron. C'est lui qui ouvre en fait l'ouverture des Médourodes et des allumages, je crois. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça chaque année, je ne sais pas s'il y a un ordre spécial. Mais là, en tout cas, hier soir, c'est lui qui a été choisi pour ouvrir cette Iloula. Regardez, on peut voir le flambeau. Méron. On peut voir le Rav qui... peine peut-être, mais en tout cas il essaye d'allumer. Mais oui, il y a eu un petit vent hier soir, sûrement quelque chose, un petit... Voilà, là ça a bien pris feu. Ouais, ça c'était l'image, je crois que c'était le premier allumage d'hier soir, je crois. C'est ça. Donc là il monte, il se rapproche. Ce feu de l'Agba Omer, comme tu nous l'as dit, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est de l'émotion, c'est beaucoup d'émotion. Je sais pas si on entend également les musiques qu'il y a. Des musiques vraiment qui sont très très entraînantes. Oui. Tous les ans d'ailleurs, on pourrait dire que c'est les mêmes musiques, mais ce sont des musiques vraiment qui sont vraiment adaptées au jour de l'Agba Omer. Alors justement, là on est en train de voir l'allumage. Tu parlais à l'instant de comment les gens ont vécu l'Agba Omer. Je parle de ceux principalement qui ont l'habitude d'être là, d'être présents ici à Méron. Et toi d'ailleurs, tu nous disais que tu étais en famille, tu étais avec ta femme et tes enfants, c'est pas plus mal non plus. Oui, bien sûr, voilà. Mais en même temps, tu as ressenti quelque chose de particulier. J'ai ressenti quelque chose de particulier. J'en ai même parlé à des personnes qui étaient aussi seules, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens seuls qui allument leur bougie, ou alors qui fêtent la fête de l'Agba Omer, ou alors même qui ont en France l'habitude d'aller fêter l'Agba Omer dans des synagogues. Mais là, cette année, voilà, c'était en confinement. Cette fête de l'Agba Omer, et on a ressenti quelque chose de spécial, c'est la vérité. Comme si, et je pense que c'est pas comme si, c'est que le Rabbi Shimon Bar Yochai était présent parmi nous encore plus cette année que les autres années. Alors bien sûr, on sait qu'il y a une Ishtadlout, il faut s'empresser, il faut essayer d'aller sur le Quai Vert, ou alors faire tout son possible pour y aller ou pour se rapprocher. Nous sommes à Pekin aujourd'hui, voilà, c'est la première fois que je viens ici, sur cette Mehara d'ailleurs, cette grotte. D'ailleurs, je ne savais pas qu'elle était condamnée. On peut pas rentrer dans cette... Non, il y a quelques années. Attends un petit instant, Noam. Oui. On peut voir ici le Rav qui se met à danser, rempli de joie, rempli d'enthousiasme. Et c'est sympa. Waouh. C'est dense, et moi je sais que quand j'ai l'habitude d'aller, il y a ce qu'on appelle des mitramim, des emplacements en fait, de chaque chassidou, de chaque groupe en fait, qu'il peut y avoir dans tout le Ram Israël. Il peut y avoir l'allumage comme on l'a vu, l'Admour de Boyan, ouais. La chassidou de Boyan. D'ailleurs, dans quelques instants, on va voir aussi l'allumage du Rav Shlomo Amar. Rav Shlomo Amar, tu veux le présenter? Tu veux nous dire quelques mots sur Rabbi Shlomo Amar? Rabbi Shlomo Amar, qui a été Rishon Lezion, qui a été grand rabbin d'Israël, qui est actuellement le grand rabbin de Jérusalem, de Yerushalayim, effectivement. Voilà. Rav Shlomo Amar, bien sûr, un des Gdolim, un gadol en halakha. Il a écrit des livres de psika, je crois. Je crois que c'est un posek. C'est un posek. Il a écrit beaucoup d'ouvrages de moussar et de halakha. Il a fait meilleur. On va voir également le Rav Arouche. Oui, le Rav Arouche. Et je sais que lui aussi, il a un emplacement à Méron. Et on a aussi l'Admour de Karline, je crois.
C'est ça ce qui est exceptionnel à Méron, c'est qu'on voit cette ardoute entre qu'on soit sfarad, qu'on soit ashkenaz, qu'on soit chassid, qu'on soit même laïque, tout simplement, on vient à Méron, on ressent cette doucha et on vient aussi pour prier tout simplement sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous rassemble. Exactement. Beaucoup, nombreux d'entre vous qui étaient présents à l'émission, en train de la suivre depuis le site idabrout.fr ou bien depuis la chaîne Anatel TV maintenant, on peut la suivre Anatel depuis TV, Anatel bien TV, sûr, Anatel. Ou bien salut. De la chaîne de télévision, vous êtes bien que mal, on fait ce qu'on peut, évidemment, c'est pas comme si on y était c'est pour sûr, de vrai, c'est mais sûr, voilà, on avec est... Noam, justement, mais on est déjà envoyé idabrout pour ça. C'est-à-dire que moi j'ai eu cette chance de voir la Mehara, cet endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié 12 ans, c'est ça 12 ans et encore une autre année, 13 ans en tout. 13 ans, c'est exceptionnel. Alors là, j'ai pu voir des petites bougies à l'entrée. Alors attends, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a été condamnée. Oui, la grotte. Je disais tout à l'heure qu'elle a été condamnée. Apparemment, on parle d'un tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques centaines d'années. Oui. Et avant, on pouvait y accéder, mais maintenant, il y a juste l'entrée de la Mehara qui est là. On a pu la toucher. On a pu voir toutes les bougies qui étaient d'ailleurs allumées sur cette grotte, devant cette grotte et à l'entrée également. Je disais que les téléspectateurs qui étaient avec nous hier, beaucoup d'entre vous ont pu mériter d'un sroute exceptionnel. Et je vais en parler tout de suite. Vous avez entendu parler du Kamiya qui s'appelle Ma'ayan HaChokhma. Ma'ayan HaChokhma, ce Kamiya, je pense que tu nous as regardé en live hier. J'ai pu voir que c'était une Ségoula, quelque chose. Alors cette Ségoula, de quoi on parle ? Ma'ayan HaChokhma, c'est un Kamiya, c'est un talisman, on dit aussi une amulette, qui a été écrite, donc c'est l'amulette de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Ari Akadosh. Et ce Kamea, il a une Ségoula toute particulière, c'est-à-dire qu'il ouvre tout d'abord le cœur des personnes. Très souvent, on a envie de servir Hachem, de faire les mitzvot, de les faire avec de l'enthousiasme, mais on sent qu'on a le on sent que finalement... On a une rasra, quoi. Voilà, merci pour le mot, la Rama. C'est la Yula du Rama aujourd'hui, je crois. Oui. Aucun rapport avec la Rama, mais il faut le dire, c'est un jour exceptionnel. C'était le moment de le placer, t'as raison. Voilà. Le Chai Iyar, Yutret, le 18 Iyar, c'est l'Akba Omer, mais c'est aussi le jour de la Iloula. On va revenir dans quelques instants, c'est passé plusieurs choses ce jour-là. Mais je disais que on a essayé de sensibiliser, c'est ce qu'on va également faire aujourd'hui, pour justement, vous savez qu'avec ce confinement qui dure déjà depuis plus de 2 mois, presque 3 mois, il y a des centaines de milliers de familles en Eretz Israël qui sont encore en confinement. Je parle ici de personnes âgées, de personnes du troisième âge qui n'ont absolument pas le droit de sortir sous aucune forme. Et on parle de gens extrêmement nécessiteux qui ont été repérés justement avec une enquête Idabrout, évidemment fait très très méticuleusement. Et le but, et ce que vraiment on aimerait que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui vous allez pouvoir, en étant partenaire, en décidant de composer le numéro de téléphone qui s'affiche d'ailleurs sous vos yeux, c'est le 01 82 88 09 83. En donnant une tzedaka, en donnant de ce que vous pouvez, ce que vous allez pouvoir vraiment, en faisant un effort pour pouvoir soutenir la chaîne d'Idabrout, pour pouvoir soutenir toutes leurs actions d'ailleurs, mais principalement aujourd'hui, on insiste vraiment là-dessus, sur aider les mishpachot nizkakot, c'est-à-dire les familles nécessiteuses qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans le besoin. Et des envoyés d'Idabrout viennent leur taper à la porte avec des colis de nourriture, des colis des mitzrachim, des colis avec énormément de choses. Dans réalimentaire, tout ce dont une famille peut avoir besoin. Exactement, des vêtements également. Et ils viennent leur redonner la simcha. Ils viennent leur redonner le sourire avec une bonne bouffée d'oxygène et de quoi manger pendant trois semaines, un mois, parfois plus. Mais c'est vrai, ils ont besoin de ça. C'est cette solitude-là du confinement, ça n'a pas aidé les choses. Bien sûr, exactement. Ce sont des gens qui étaient nécessiteux même sans le confinement. Mais le confinement a fait que ça les a encore plus rendus dans une situation très très difficile. On a eu des témoignages hier soir après cette émission de personnes qui nous ont appelé vraiment en pleurant pour nous remercier d'avoir pu mériter de ce Kamea. Et ce Kamea, il a été écrit par le Rav Fuchs, qui est un Rav qui est Mekoubal, et non seulement Mekoubal, mais en plus reconnu de toutes les autorités rabbiniques en Eretz Israël, et surtout des Rabbanim d'Idabrout, en qui on fait confiance évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'amulettes, etc., il y a beaucoup de... C'est vrai que ça fait... Voilà, tu as parlé au début d'amulettes, de talismans, j'ai il y a beaucoup de charlatans qui tournent autour de ça et qui font un petit peu tout et n'importe quoi, qui vendent... Voilà, regardez, vous pouvez le voir à l'écran. C'est un Kamea qui est fait tout en argent.
et il ouvre toutes les portes du ciel. C'est marqué que grâce à ce Kamer, Rabbi Chaim Vital a ouvert des yeshuot extraordinaires, à des délivrances pour des personnes qui étaient malades. Là, en ce moment, on est en pleine épidémie. Vous savez, ce coronavirus. Aujourd'hui, on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai que, de la même manière que la pandémie, l'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période-là du Omer. Cette épidémie s'est arrêtée quand ? Aujourd'hui, le jour d'hier. Le jour de l'Akba Omer. Eh bien, Be'ezrat Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu que, de la même manière qu'il a fait ça du temps de Rabbi Akiva et de ses élèves, cette épidémie puisse s'arrêter aujourd'hui et qu'on puisse reprendre la vie normale. Mais entre-temps, comme vous le savez, il y a énormément de familles qui ont besoin et qui sont dans l'attente et qui espèrent vraiment, qui prient de tout leur cœur qu'on puisse vraiment essayer de grâce à Hidabrout ou autre, mais en tout cas là on est en train de représenter Hidabrout, venir chez eux et leur offrir ce grand bonheur. Chacun peut aider de façon que ce soit une petite aide. Téléphonez au 01 82 88 09 83. Vous expliqueront exactement comment faire pour recevoir ce Kamiya. Peu importe, donnez tout ce que vous pouvez, ouvrez votre cœur, c'est le plus important. On a l'habitude d'allumer des bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour toutes les iloulotes, mais allumer des bougies, c'est génial. Mais quand c'est accompagné d'une tzedaka, la tfila, elle passe beaucoup mieux. Elle monte. Kol Sha'are Shamaim Ptuchim, toutes les portes du ciel sont ouvertes. Aujourd'hui particulièrement, vous savez que depuis Pessah Sheni, qui était la iloula de Rabbi Meir Baal Hanes également, pendant 7 jours, jour pour jour, donc pendant 7 jours, donc évidemment le sommet c'est aujourd'hui la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué dans le Zohar que Sha'are Shamaim Ptuchim, les portes du ciel sont ouvertes. Grâce aux envoyés d'Idabrout qui vont aussi prier pour vous, je vais revenir dans quelques instants, mais en tout cas si vous voulez recevoir ce Kamea, si vous voulez le recevoir, c'est le vôtre, ça peut être le vôtre, il arrivera chez vous en moins de 24 heures. Donc levez le téléphone, sentez-vous concerné et essayez vraiment d'apporter de la joie et un soutien grâce aux dons que vous allez pouvoir faire pour cette cause. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner et mériter en faisant cette tzedaka? Vous allez pouvoir également, écoutez bien, je ne sais pas si vous allez réaliser, mais en tout cas, des envoyés d'Idabrout, des rabbanim, des tzadikim, talmidei chachamim, qui vont se rendre sur la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai pendant un an, jour pour jour, milag ad lag. Ça veut dire depuis ce lag Baomer. Depuis aujourd'hui jusqu'à le lag Baomer l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, à la même date, lag Baomer, tous les jours, sans exception, 35 filotes. C'est des envoyés qui vont citer et mentionner les noms, vos noms évidemment, le nom de votre épouse, le nom de votre mari, le nom de vos enfants, le nom de vos parents, grands-parents, qui ont besoin de tfilot pour toutes les yeshuot possibles. Donc on parle ici évidemment de briout, de refoua, de santé, de guérison. On parle évidemment également de parnassa. Tu sais, Noam, on a vu tout à l'heure que le Chai Iyar, on a dit que c'était la Ilula du Rama. Du Rama, oui, du Rama, bien sûr. Du Rama, Rabbi Moshe Iserlich. Et aussi, c'est le jour, comme nous dit le Midrash, où la manne a commencé à tomber dans le désert. Imaginez la manne qui représente la parnassa. D'ailleurs, c'est marqué que l'onitna Torah ela leochle haman bilvad. Le tachlit, le but de la Torah, c'est d'arriver à se sentir comme si on mangeait la manne. Et la manne, c'est recevoir la parnassa. La manne, ça représente le shefa, l'abondance. Et c'est aujourd'hui. Donc, vous voulez mériter de tout ça. Vous voulez mériter que Hidabrout prie pour vous tous les jours chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ici même. C'est à quelques dizaines de mètres d'ici, d'ailleurs, à vol d'oiseau. C'est juste derrière, là, on ne peut pas vraiment voir, mais en tout cas, la vue est magnifique et on ressent quelque chose d'exceptionnel ici. Je suis passé devant la Mehara. Déjà, le peu de gens que j'ai vus, enfin, le peu, c'était déjà pas mal de gens qui priaient et qui, bien sûr, qui n'ont pas réussi à atteindre le Kever. Donc, ils sont venus sur cet endroit exceptionnel, la Mehara, cette grotte où Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié pendant 12 ans. 13 ans même, et donc je les ai vus prier, j'ai vu comment ils ont allumé leurs bougies, cette ferveur qu'ils avaient, franchement ça faisait des frissons. Quoi. Tout à fait. Donc je vous rappelle, vous allez recevoir ce Kamiya, vous allez recevoir également le mérite de pouvoir, qu'on puisse mentionner votre nom, le nom de vos enfants, de votre famille, pour tout ce que vous avez besoin, et composez maintenant le 01 82 88 09.
83. Excuse-moi, moi je suis myope, alors c'est une catastrophe, donc c'est Betsalel qui va faire le numéro. Voilà, moi je fais semblant que je regarde un truc, mais en fait je regarde rien du tout, je vois rien, je suis myope. Bon, complètement. Je suis myope aussi, mais avec des lunettes. Des lunettes, tu peux savoir. Ah, je sais pas, j'ai... Peu importe. 01, 82, 88, 09, 83. Sentez-vous concerné, ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents à qui on va donner, redonner le sourire. Et voilà, grâce à Idabrout, on est là pour vous faire vivre ces grands moments. J'ai une bonne nouvelle. Ah, j'aime les bonnes nouvelles. Tu aimes les bonnes nouvelles. Idabrout vous offre toujours des bonnes nouvelles. Et on a encore plusieurs surprises à vous annoncer, on vous les annoncera au fur et à mesure. Mais la bonne nouvelle de l'instant, c'est qu'on va annoncer une intervention maintenant du Rav Yaakov Sitruk, qui est le fils, comme vous le savez, de Rabbi Yosef Haïm Sitruk, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui nous a quittés il y a 6 ans, c'est, je pense 5-6 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Je crois que 5 ans, je crois. Zruto Tagen Aleno Amen. Amen. Son fils, le rabbi Yaakov Sitruk, qui est le responsable de l'association Aleph Ledorot, et qui, comme vous le savez, fait des conférences un peu partout dans le monde, en France, en Israël, et d'ailleurs... Dans le monde entier, il est demandé dans le monde entier. Hein. Exactement. Eh bien, il va intervenir, il va nous dire quelques mots sur l'Ag BaOmer. On invite le rabbi Yaakov Sitruk à l'antenne, Bechavod. Alors donc aujourd'hui, on est dans une journée très particulière qui s'appelle l'Ag BaOmer. Et je voudrais en dire un petit mot, pas directement sur la journée d'aujourd'hui, mais sur ce que cette journée implique dans la période donc de Sfirat HaOmer. Tout le monde le sait, de la fête de Pessah, donc plus exactement du lendemain de la sortie d'Égypte, jusqu'au moment du don de la Torah, nous comptons les 49 jours du Homer. Ces 49 jours vont en fait être l'intervalle entre la libération, donc la naissance du peuple juif, et le don de la Torah, le moment où le peuple juif reçoit sa véritable identité. Il est également bien connu que la raison pour laquelle les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. 49 jours, on va les compter, on va les égrener. 49 jours qui contiennent chacun une dimension tout à fait particulière. Nous n'allons pas rentrer dans la notion de ce qu'on appelle les sphirotes, donc ces attributs que nous donnons à chacune de ces journées. Mais par contre, ce que je voudrais, c'est mettre en valeur la notion, un des midot, des qualités humaines qui correspondent à ces 49 jours. Non pas que je voudrais maintenant expliquer les 49 jours par rapport à 49 qualités, mais l'idée est de réaliser que pendant cette période, on se doit de fournir un travail sur ce que l'on appelle les midot. Nous contenons tous des midot. Nous produisons des midot. Des bonnes, des moins bonnes. Et puis on se situe par rapport au travail qu'on est capable de faire sur nous-mêmes pour perfectionner ces midot. Je vais vous expliquer en donnant un exemple. On est tous un peu généreux. On est tous aussi un peu égoïste. On est tous un peu patient, mais aussi impatient. Et on va se travailler. Des fois, on va être plus généreux, des fois moins. Des fois, on va être plus patient. Et c'est valable pour tous les traits de caractère que l'on va appeler dans la tradition, que les Chachamim vont nommer les midot. Nous finissons aujourd'hui une période pendant laquelle, malheureusement, s'est abattue sur le peuple juif une tragédie historique, puisque le fameux Rabbi Akiba, qui a incarné à lui tout seul la transmission de la Torah orale, avait 24 000 élèves qui sont malheureusement niftarim, décédés pendant cette période
du début du Homer jusqu'au 33e jour du Homer. Hein, une catastrophe épouvantable. Imaginez la souffrance de cet homme qui, en 32 jours, va enterrer 24 000 élèves. On ne peut même pas imaginer ni la souffrance de cet homme, ni la tragédie que ça représente, hein, pour les familles, et encore moins la perte, hein, que la disparition de ces chachamim implique pour le peuple juif. Cette épidémie est due, vraisemblablement, selon les paroles de nos chachamim, à un certain manque de considération de la part de ses élèves, les uns vis-à-vis des autres. En un mot, il y a eu un manque de kavod. La valeur numérique du mot kavod, c'est le chiffre 32. Et voilà que, comme un fait exprès, hein, ces 24 000 élèves, ces 24 000, enfin, pour nous, sont des maîtres, vont mourir pendant les 32 premiers jours du Homer, 32 valeurs numériques kavod. Quant à 49, vous enlevez 32, il vous reste 17. Valeur numérique de 17, c'est le mot tov. Donc nous avons, dans la période du Homer, nous avons, on va dire, deux parties. La partie kavod, les 32 premiers jours, et la partie tov, les 17 derniers jours. Et précisément, le jour de l'Agba Homer, nous basculons de l'un vers l'autre. Alors, que dire de ces deux notions? Parlons d'abord du tov. Tov, c'est la deuxième partie du Homer, celle dans laquelle nous entrons à partir de l'Agba Homer. Tov, c'est le qualificatif qui a été employé par la Torah, donc par Hachem lui-même, au moment de la création de la lumière. C'est la première fois qu'il est question de Tov. Au fur et à mesure, hein, que Hachem va continuer à créer le monde, chaque création et chaque jour aura le droit à son Tov. Mais le premier, c'est celui qui apparaît au moment de la création de la lumière. Alors, nous parlions précédemment de la nécessité ou du sens d'allumer une lumière pour un tzaddik. La lumière, rappelez-vous, c'est ce qui a entraîné le tov dans le monde, le bon, le bien, comme d'ailleurs le tzaddik, le chacham qui nous enseigne la Torah, hein, qui va être indéniablement le moyen pour atteindre cette notion de tov. Mais là n'est pas mon propos. La notion de tov, elle est comparée à la notion de kavod, puisque kavod plus tov égale 49, dans cette période du Homer. Des hommes sont morts parce qu'ils manquaient de kavod zélazé. Ils se manquaient littéralement de respect. On pourrait comprendre que, ben finalement, le manque de respect entraîne comme une espèce de sanction, hein, qui va être, dans leur cas, eux, la mort. On peut aussi voir les choses un peu différemment. Nos maîtres nous expliquent, et je tiens cet enseignement en espérant y être fidèle, de mon maître, le Rav Moshe Shapira. Il expliquait la façon suivante. Il disait, en fait, le kavod, non pas pour celui qui le donne, mais pour celui qui le reçoit, est une valeur fondamentale. Mes chers amis, on a tous besoin de kavod. Vous remarquerez qu'il y a des gens qui sont respectés, d'autres qui le sont moins. Quand quelqu'un est moins respecté, il aura tendance à avoir un comportement que nous qualifierons de désagréable. Mais si on étudie son comportement pour comprendre d'où vient ce côté des fois agressif, combatif, on réalisera qu'en fait la personne a besoin de ce kavod. Et que si les autres ne le lui donnent pas, la personne va être obligée de tout faire pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que le kavod est quelque chose de vital.
On a tous besoin d'être respectés. Et mon maître disait, une personne à qui on enlèverait tout son kavod, à laquelle il ne resterait pas du tout de kavod, ne pourrait pas survivre. Le kavod, c'est quoi? Le kavod, c'est l'histoire d'une personne qui est honorée par les autres, qui est respectée par les autres. C'est l'histoire d'une autre personne qui a un conjoint, des enfants, des amis, qui a un statut. Le kavod, c'est des fois l'histoire d'une personne qui un jour a été quelque chose. Vous avez des gens qui vivent dans le souvenir de ce qu'ils ont été. Un jour, on les a décorés. Un jour, on les a remerciés. Un jour, on les a considérés. Et ils vont vivre, ils vont puiser pas moins qu'une vitalité dans cet honneur, dans ce kavod qui n'a rien de négatif, mais qui au contraire est une nécessité pour la survie d'une personne. Alors mes chers amis, peut-être que la mort de ce manque de kavod n'était pas forcément due à la punition qui s'abattait sur celui qui manquait de kavod, mais qui était le résultat d'une détresse terrible pour ceux à qui on ne faisait pas assez de kavod. Le kavod est nécessaire. Le kavod, c'est un composant de la vie. Une personne sans kavod, une personne qui perdrait toute sa dignité, ne pourrait survivre à ce manque. Et puis, il y a une deuxième notion. Une deuxième qui s'appelle Tov. Qu'est-ce que c'est que Tov? Tov, c'est le bien. On a tous besoin de bien dans notre vie. Même la pire des personnes a quelque part au fond de son cœur ou au fond de son esprit un refuge qui va être le territoire, son territoire personnel de ce qui est bien à ses yeux. Attention, le bien ça peut être un confort, vous avez des gens dont la vie est essentiellement matérielle qui trouvent leur petit confort, comme une personne qui trouverait un petit coin de soleil pour passer un bon moment, ce qui lui ferait sa journée. Comme la personne qui a besoin de temps en temps de rire un petit peu, même dans, malheureusement, un paysage triste que serait sa vie. Mais le bien, ça peut être aussi un moment de tranquillité, ou un moment dans lequel je peux faire ce que je veux, même si dans l'énorme majorité de ma vie, je suis contraint et obligé de faire ou de ne pas faire, j'ai la possibilité de temps en temps de faire ce que moi je veux. Ou alors le bien, ce serait parfois de pouvoir partager avec autrui, de pouvoir faire le bien autour de moi, un sourire, un cadeau, une parole gentille. Et ce bien, quelque part, il suffirait à me donner la vitalité dont j'ai besoin tout au long de ma vie. Vous comprenez? Un moment de bien, une particule de bien dans ma vie pourrait donner un sens à tout le reste de ma vie, à tout le reste de ma journée. Mais c'est nécessaire. J'en ai besoin. Et finalement, il est évident que chaque personne contient une partie de kavod et une partie de tov dans sa vie. Le problème, c'est d'arriver à y parvenir, à y accéder. Vous savez, c'est comme la joie. Il n'existe pas, disent nos chachamim, de personnes qui ne contiennent pas de joie. La différence qu'il y a entre les individus, ce n'est pas la quantité de joie qu'ils contiennent, mais leur faculté d'accéder à cette joie-là. Il y a des moments de ma vie où je n'arrive pas à accéder à cette joie intérieure qui est en moi, mais qui là, dans un moment difficile, m'est complètement verrouillée. Je ne peux pas y arriver. Vous avez des gens qui sont capables, dans n'importe quel moment de leur existence, de trouver cette joie qui est en eux. Eh bien, le kavod et le tov, c'est un peu les mêmes idées. Finalement, le parcours d'un homme qui découvre ce que c'est que la liberté, c'est-à-dire quelque part la dignité, l'existence de lui-même, jusqu'au don de la Torah, en passant par la notion de tov. Le tov, mes chers amis, même quand la vie peut être parfois difficile, que Hachem nous préserve, c'est quand il devient ne serait-ce qu'une destination,
un horizon, quelqu'un qui est convaincu qu'au bout de son parcours, il y a Tov, il y a le bien, hein, il trouve déjà la force et la vitalité pour continuer ce parcours afin de parvenir à ce Tov-là. Et voilà que dans notre sortie d'Égypte, on ne nous dit pas juste ben « maintenant vous êtes libre », sous-entendu « débrouillez-vous ». Ou alors pire, « faites ce que vous voulez ». Non. À ce moment de notre histoire, la Torah nous dit « maintenant vous allez compter ». Vous allez vous fixer un objectif, un horizon. Cet horizon, c'est quoi? C'est le Tov. Mais comment parvenir au Tov? Alors, première étape, le Kavod. Quand une personne est consciente du Kavod qu'elle est censée véhiculer. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin, pour ressentir cette dignité, ils ont besoin du regard des autres. Et puis il y a des gens qui connaissent leurs valeurs, qui savent ce qu'ils sont, ou tout au moins ce dont ils sont capables, et ça leur suffit. Le parcours du Homer, c'est dans un premier temps de réaliser de ce que nous sommes, ou tout au moins de ce que nous sommes capables d'être. Dans un deuxième temps, de se fixer un objectif qui s'appelle Tov, pour accéder à la Torah. Hein, parce que si au bout du Homer, il y a le don de la Torah, le don de la Torah, c'est l'aboutissement du Tov, mais quand un homme il est conscient de ses capacités, quand un enfant devient bar mitzvah dans notre tradition, on lui explique quelles sont ses obligations pour lui dire « voilà de quoi tu es capable ». Et on sait que s'il réalise ce dont il est capable, alors il pourra aller jusqu'au bout du un programme qui va nous permettre de nous valoriser d'abord à nos propres yeux, mais de nous permettre de nous valoriser par rapport aux autres, de permettre aux autres de nous donner une certaine valeur et d'accéder à cette dimension qui s'appelle le Tov, que nous contenons tous en nous, mais que la Torah va nous aider à découvrir, elle va nous permettre d'y accéder, elle va nous permettre de nous exploiter. Et la jonction de ces deux notions, de ces deux périodes, c'est précisément le jour de Lag Baomer. Comme par hasard, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on dit que ni plus ni moins, il a été comme un soleil pour le monde, il a éclairé le monde. Il était un homme à la fois rigoureux et à la fois exigeant vis-à-vis des hommes, comme c'est raconté plusieurs fois dans la Guémara. Il va être cet exemple d'intégrité, mais aussi celui qui a voulu partager, enseigner aux autres. Il va nous permettre de nous révéler grâce à tout ce qu'il nous laisse comme héritage pour que Bezrat Hashem, on se prépare encore mieux pour cet événement qui sera celui vers lequel nous arrivons dans quelques jours, celui du don de la Torah, qui est la révélation du sens du monde, la possibilité pour nous de découvrir Hashem, mais au-delà de tout cela, le meilleur moyen pour un homme de découvrir ce qu'il est et ce dont il est capable. Je vous souhaite de bien continuer ce voyage jusqu'au matin Torah, jusqu'à la fête de Shavuot, et que le mérite de nos tzadikim nous y aide, nous protège, et qu'Akadosh Baruch Hu écoute toutes nos téfilotes pour que, si Dieu veut, on voit tous les malades guérir, et la venue très très prochaine, Bezrat Hashem du Mashiach. Merci Rabbi Yaakov Sitruk, merci d'avoir intervenu, merci à Ida Brout de nous avoir permis de vous partager ce chiour exceptionnel, ce chiour de Rav Sitruk. D'autres rabbanim vont intervenir. En tout cas, on me dit à l'oreillette que dans quelques instants, on va voir et on va assister à la chalaké d'un enfant en live. Wow. Qu'est-ce que c'est la chalaké, Noam? La chalaké, ben, ce que je sais de la chalaké, c'est le jour de l'anniversaire en fait, d'un enfant quand il a 3 ans. Et en fait, comme on le sait, jusqu'à 3 ans, on lui laisse les cheveux longs. Et le jour de ses 3 ans, on vient couper les cheveux, on fait une fête, c'est la coupe de cheveux en fait, voilà, tout simplement, et c'est le chalaké. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y en a qui ont le minag, l'habitude de venir à Méron pour faire le chalaké. Justement, à Méron, il y a le minag Kadoum, un ancien minag, depuis le temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, de venir lorsque l'enfant est dans sa 3e année, de venir ici, dans cet endroit exceptionnel qui est la tombe, la sépulture de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, pour faire cette coupe de cheveux. Vous allez pouvoir assister à ça dans quelques instants. J'aimerais vous dire que l'émotion ici, elle est palpable. Ah oui, vraiment, on le voit. On est, je vous rappelle, en direct de la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai, la grotte dans laquelle Rabbi Shimon s'est réfugié avec son fils Elazar pendant 13 ans. 13 ans. Et ils ont appris les plus grands secrets de la Torah de la bouche de
de Eliyahu Hanavi, je crois. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est venu se révéler à eux. Et ils nous ont d'ailleurs régalé. Grâce à ça, on a aujourd'hui le plus grand secret de la Kabbalah, le Zohar HaKadosh. Alors, tout à l'heure, Noam, tu m'as demandé de me présenter, c'est sympa, mais moi, je ne t'ai pas demandé de te présenter. Parce que je pense que les gens te connaissent, on a l'habitude de te voir en tenue un peu plus détente, nous faire rire, nous éclater. Je suis venu en costard cravate. Justement, j'ai vu la cravate aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui la cravate, Noam. Déjà, c'est la fête, c'est l'Agba Omer. Attends, moi, ça fait quand même plusieurs semaines que je n'ai pas écouté de musique. Comme on le sait, c'était une période difficile. C'est le deuil des 24 000 élèves, je crois. C'est ça, pendant 33 jours donc là, jusqu'à aujourd'hui. J'ai mis le paquet, je me suis dit je vais mettre une belle cravate de chez Tati. Vraiment, non, un truc sérieux quoi, tu vois. Non, vraiment, je voulais vraiment marquer le coup quoi. Donc je suis venu, Idabrou, tout ça, je me suis dit je vais venir en costume. Parce que normalement moi je suis en savate, en short, un truc détente. Non, la vérité, voilà. Bon après, j'ai ce route là de venir en Lirvod Rabbi Shimon Bar Yochai, Lirvod à l'Agba Omer. Et vraiment, c'est un kiff de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir avoir de la simra. Vas-y, fais-nous kiffer un peu, Bézal. Je sais que t'es chanteur là. Je vais faire kiffer dans deux minutes. Mais là, dans un instant, on va voir la halaké, regarde, la halaké Noam, de cet enfant de 3 ans. Oui. Normalement, c'est des milliers d'enfants. Mais regardez cet enfant qui est là devant la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va lui couper les cheveux. Bah écoute, c'est simplement. Tout simplement devant la Mehara en fait, qu'elle se trouve, c'est exceptionnel. Normalement c'est des dizaines de milliers de personnes qui font ça à leur enfant. Là apparemment c'est quelqu'un qui a vraiment pu être privilégié, qui a eu ce privilège d'accomplir ce miracle. Voilà, ils commencent à danser. Ouais, je t'ai dit les allèles, il faut danser. Feder HaKodesh Chavush Al Rosh Chaperecha Bayochai Nimshachta Ashrecha Shemen Sasson Mechaverecha Bayochai Moshav Tov Yashavta Yom Nasta Yom Asher Barachta. On voit vraiment ce halaké, voilà la danse. Mais je t'ai dit Betzel, il faut danser. Va Martin Kolechai, Rabbi Shimon Bayochai, va Martin Kolechai, Rabbi Shimon Tzadikai. Mais oui, je t'appare chez Mo la hâte, voilà, quelle émotion. Le papa avec une joie exceptionnelle qui porte l'enfant, son enfant sur les épaules. Ils lui ont coupé les premières mèches. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un minhag, c'est une coutume. Qui dure depuis d'ailleurs des centaines et des milliers d'années depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, de se rendre ici même pour faire la coupe de cheveux à l'enfant qui a 3 ans et de laisser les péotes, c'est le siman d'un Yehudi. Le siman, bien sûr. Donc c'est ça qu'on a, donc on vient d'assister à ça en live. Non, c'est vrai, c'est magnifique, on voit cette unité, cette ardoute. Que les gens viennent, que voilà, que ce soit pour un halaké, que ce soit même de venir pour se recueillir. Moi, je le vois tous les ans, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une unité, il y a une ardoute particulière. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. C'est vrai que on a l'habitude ici de voir de toutes les couleurs. Il y a des religieux, des moins religieux, qui s'enlacent, qui dansent, qui s'embrassent, qui se connaissent depuis toujours. Et finalement, on est tous comme un seul homme avec un seul cœur, Ish Echad, Belev Echad, dans un seul cœur. Et c'est ça ce qu'on ressent ici à Méron. C'est vrai que cette année, c'est dans des conditions différentes, parce qu'il n'y a que certes quelques centaines de personnes qui sont là présents, alors que normalement c'est des centaines de milliers de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans quelques instants, on va voir l'allumage pour essayer de vous faire ressentir ces moments d'hier soir. Lorsque le Rav Shlomo Amar, qui est le grand rabbin de Yerushalayim, qui est le Maradé Atra, regardez le Rav Shlomo Amar, qui est en train d'allumer avec son visage lumineux. Il a fait méose. Le Rav Arouk, je crois, derrière. Le Rav Shlomo Amar, exactement. Le Rav Arouk, effectivement, le grand Rav français que tout le monde connaît, l'auteur des livres Le Jardin de la Foi, Le Jardin de la Paix, et encore beaucoup d'autres livres qu'on vous invite vivement à vous procurer. Il y a également le Rav Benayahu Shmueli, qui est un des plus grands Mekoubalim d'Eretz Israël.
chante, danse. שקורה פה רבותיי, אין שידור כזה בעולם. Il faut danser, lâche-toi un peu, détends-toi, vas-y, même s'il n'y a pas de musique. De toute façon, on s'éclate, on doit s'éclater. Vas-y, allez, je vais entendre les youyou là. Youyou. Mais oui, éclatez-vous chez vous, éclatez-vous, kiffez chez vous. Vous avez raison. Que ça. On va pas sortir, aller chez Lidl, c'est pour l'Agba Omer, franchement. Noam, tu as raison. On doit chanter, on doit danser. Mais là, on est assis sur des chaises, on n'entend pas ce qu'il y a à l'oreille. Mais quand même. Tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui êtes près de votre poste, vous n'avez qu'à mettre des musiques exceptionnelles, vous n'avez qu'à écouter ce qu'on écoute en fond. On entend des musiques de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'essentiel de cette journée, c'est de se réjouir. Le plus grand Yetzer Hara, c'est de rentrer dans la tzvout, dans la tristesse. Et c'est sur ça que le Yetzer Hara veut nous attaquer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas parce qu'on n'est pas des centaines de milliers comme d'habitude, qu'il n'attend pas de nous qu'on soit là. C'est-à-dire, j'entends par là que il veut qu'on le désire très très fort cette année. J'ai entendu certaines personnes dire, peut-être que le tzadik ne veut pas qu'on vienne et c'est tout. Au contraire, mes chers amis, il faut savoir que si cette année tout est fermé, c'est justement parce qu'il voulait voir combien notre cœur est là, combien on a envie, combien on aurait aimé être là. Parce qu'on peut être là pour venir faire griller les chamallows dans le feu. Des machins, bien sûr, c'est pas... Mais c'est pas uniquement pour ça et c'est pas pour ça qu'on est là. On est là justement pour se réjouir de la simcha. De Rabbi Shimon qui l'a dit. Comme je te dis tout à l'heure, on a ressenti vraiment, même en étant chez nous, on a ressenti l'Akdoucha, le tzaddik chez nous. Il était dans chaque maison, je te le dis, Betzalel, il était chez nous. Toi, tu étais là au live à Meron, tu as eu cette chance hier soir. Mais moi, hier soir, j'étais chez moi, j'ai allumé cette bougie. Noam, est-ce que tu as rêvé de Rabbi Shimon Bar Yochai cette nuit ? J'ai pas eu ce route de rêver de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais je connais une vieille dame qui m'a dit, j'ai rêvé du Rabbi Shimon dans la grotte. Mais où tu étais ? Mais quelle grotte ? T'as déjà été à la grotte ? Non, mais j'ai vu, j'étais dans une grotte. Je connais des gens qui ont rêvé de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ont ce trou. En tout cas, on a senti sa présence et on sent sa présence ce jour exceptionnel, comme je t'ai dit, qui nous rassemble en fait. Cette ardoute, cette unité qu'on a besoin en fait toute l'année. Et je pense que c'est cette unité-là qui va nous ramener le Mashiach, Bezat Hashem. Tout à fait, tu as raison. Tu as parlé d'unité. Amen. Et celui qui parle d'unité, qui donc parle de se sentir concerné par tous ses frères et sœurs juifs dans le Ham Israël, qui est en ce moment, ces moments même, dans des moments de détresse, de détresse financière. On parle ici d'une cause qui est vraiment incroyable. Hidabrout a décidé cette année, le jour de l'Akba Omer, de ramasser une somme considérable pour pouvoir aller réjouir des familles qui sont nécessiteuses, des familles de personnes âgées, des personnes du troisième âge qui n'ont même plus de visite déjà depuis quelques temps. Et, oui. Et non seulement ils sont tristes, mais en plus ils arrivent vraiment jusqu'à Pat Lechem, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des conditions extrêmes. Okay, et Hidabrout connaît ses adresses, sait exactement de qui on parle. Et ces personnes-là vont mériter grâce à vous.
grâce à vous quand, lorsque vous allez composer le numéro de téléphone qui s'affiche sous vos yeux. C'est le 01 82 88 09 83. 01 82 88 09 83. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte-monnaie, sortez la carte bleue, faites ce que vous pouvez pour aider ces familles nécessiteuses. Je vous incite vraiment à le faire, vous allez mériter de recevoir le Kamea qui s'appelle Mayan HaYeshua, Mayan HaChochma, excusez-moi. Le Kamea, l'amulette de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il a écrit cette amulette avec des Shemot HaKodesh, des noms d'Akadosh Baruch Hu, des Tzirufim. Donc ça a été écrit donc, à la main, chacun il a été fait à la main. Et c'est vraiment un investissement exceptionnel. Ça peut être le vôtre. Ce que vous voyez à l'écran, il n'en reste pas énormément. Je vous assure qu'il n'en reste pas beaucoup. Hier soir, les téléspectateurs d'Idabrout se le sont arrachés. La ligne était extrêmement encombrée. On me dit que la ligne, également aujourd'hui, on a beaucoup d'appels, mais pas assez. Il faut que vous fassiez tout pour que ce Kamea arrive chez vous en très peu de temps. En 24 heures, on me dit, grâce à la poste, vous allez pouvoir recevoir ce Kamea. Et ce Kamea va vous ouvrir toutes les portes que vous avez besoin. Les portes de la bracha, les portes de la guérison, d'accord, pour toutes les personnes malades du coronavirus et de toutes les autres malades, ceux qui sont malades, chas v'shalom, de la maladie ou d'autres. D'ailleurs, vous allez profiter pour donner leur nom, parce que d'ici même, de Méron, de la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, nous allons prier et mentionner tous ces noms. On l'a dit tout à l'heure, toute personne qui va faire un don, qui va lever le téléphone et appeler le 01 82 88 09 83, ce numéro qui s'affiche sous vos yeux, eh bien, va également mériter que pendant un an, jour pour jour, Noam, est-ce que tu m'entends, pendant un an, extraordinaire, eh bien, des envoyés d'Idabrout, des Avrichim, des Tzadikim, qui étudient le Zohar toute l'année, qui étudient la Kabbalah, qui étudient pas que la Kabbalah, mais aussi évidemment le Pshat, les Pshaté Oraita, eh bien, tous ces Tzadikim vont mentionner le nom des personnes que vous allez communiquer. Et ces personnes vont mériter de la bracha, d'être accompagnées pendant toute l'année de la bracha et du srout exceptionnel du tzadik, du Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai. On a parlé de la Kabbalah, on a parlé du Zohar, mais également, on le retrouve dans la Mishnah, c'était un Tana. Bien sûr, avant tout, bien sûr, un Tana. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on te dit dans l'oreillette? Parce que moi, j'ai pas d'oreillette, donc vous voyez comme ça, Betzalel, mais... Qu'est-ce qu'on te dit? Grâce à votre participation, nous nous rendons à présent chez une autre personne âgée. Nous traversons une période difficile qui génère des problèmes financiers au sein des foyers. De nombreuses femmes sont au chômage tandis que leur mari voit leur chiffre d'affaires décliner. Chers téléspectateurs, HM s'adresse à vous. Tendez la main à vos frères et je vous aiderai en retour. Chers amis, si nous ne soutenons pas ces personnes âgées, elles resteront seules et n'auront même pas de quoi se nourrir. Personne ne leur rendra visite ni ne les aidera. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. ומשתדר לחיות, אני בן 80, לא קל ולבד, אין מה לעשות. מושך, תודה לכל הצופים ותודה לכל העוזרים שעוזרים לנו. ואני מודה לכולם, חג שמח, חג עצמאות שמח, ושזה יהיה סוף הקורונה. לא יצטרכו יותר לסבור עם ישראל. אמן. אני מאחל כל ליבי. תודה רבה לארגון הידברות. ושלכם כל טוב. ותודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים. Vous avez vu à quel point cette visite est émouvante et comment le simple fait de frapper à cette porte a permis de redonner le sourire à cet homme. Certaines personnes sont isolées toute l'année. Personne ne leur rend visite ni ne les aide. Et c'est là que vous intervenez, que vous entrez en scène. En aidant une personne âgée, en faisant en sorte qu'elle ait de quoi manger matin, midi et soir. Faites un don dès à présent, ne laissons pas nos aînés à l'abandon.
Oh, vraiment, quelle émotion. Je viens de voir cette vidéo que Ida Brout a accomplie par les envoyés d'Ida Brout, en fait, qui viennent visiter les personnes nécessiteuses, les personnes âgées qui sont dans une solitude extrême et surtout dans des difficultés financières qui sont vraiment dans des conditions. On a vu les larmes de cette vieille dame qui vraiment était extrêmement reconnaissante à Ida Brout, qui grâce à eux, eh bien, ils ont pu manger tout simplement ces derniers temps. C'est ça. Ils ont vraiment des conditions. Ces personnes-là sont dans des conditions extrêmes, des conditions économiques extrêmes, face à cette situation justement qui est vraiment catastrophique dans le monde entier. Et nous, on se sent tous concernés. Grâce à Ida Brout, on vous donne la chance, une opportunité que vous n'avez pas vraiment le reste du temps. Vous n'avez pas cette chance, vous n'avez pas cette opportunité, croyez-moi. J'aimerais que vous ressentiez avec nous c'est quoi, de quoi on parle. Lorsque simplement vous allez faire un don, vous allez ouvrir votre cœur et pouvoir donner pour ces familles nécessiteuses 100 shekels. Qu'est-ce que c'est 100 shekels par mois pendant quelques mois? Vous n'allez même pas les sentir. 100 shekels, c'est quoi? C'est deux sandwichs? Et c'est deux ça, boissons. C'est 2-3 grecs, quoi, je sais pas. C'est vraiment pas grand-chose. Mais comprenez l'importance de cette chose-là. C'est parfois des rescapés de la Shoah, des Nitzolé Shoah. Ça peut être vos grands-parents, je vous rappelle, que Ida Brout va taper à leur porte, passer un petit moment avec eux, leur redonner le sourire, mais surtout des paniers remplis de nourriture et de vêtements, tout ce qu'ils ont besoin. Vous voyez à l'écran le caméa qui s'appelle Mayana Yeshua, qui a été écrit par le Rav que vous voyez. Ce Rav s'appelle le Rav Fuchs. Il a été écrit avec les kavanotes du Hari Akadosh, écrit par l'élève du Hari Akadosh qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, effectivement, Noam. Et Rabbi Chaim Vital a promis que celui qui allait se procurer ce caméa, aujourd'hui, pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de rabbanim, très peu de mekoubalim même, sont à même et sont capables d'écrire. Parce que ce n'est pas seulement écrire ce qui est marqué dedans, c'est également avoir la kavana qu'il faut et les bonnes intentions pendant l'écriture de ce caméa. Eh bien, ceux qui vont mériter de donner à Ida Brout pour les personnes âgées qui sont nécessiteuses, en composant le 01 82 88 09 83. On le connaît par cœur à force, mais ça rentre dans les têtes. Eh bien, grâce à ce numéro de téléphone, grâce au fait que vous allez ouvrir votre cœur, mes chers amis, eh bien, vous allez mériter de la bracha exceptionnelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pendant un an, des avrichim vont prier pour tous les noms que vous allez leur communiquer. C'est magnifique. C'est magnifique. Par téléphone. Alors, sachant qu'on sait que devant cette mahara, moi, je ne savais pas qu'il y avait un inyan de venir même prier ici, en fait, de venir se recueillir. Mais bien sûr, il y a une doucha particulière qui se cache dans cette grotte. Tout à fait, Noam. Alors, on en reviendra dans un instant de la doucha de la mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va maintenant, on a la chance d'avoir parmi nous le Rav Atali de Yerushalayim, qui est un Rosh Kollel de grande renommée. Et vous allez voir, il va nous régaler grâce à ses paroles de Torah. Bechavod Rav Atali. Bar Yochai, Ashrei Olatecha, aïe, Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit ce chant? Heureux ta naissance. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoutez bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, le père et la mère, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils n'ont pas arrivé pendant des années. Aïe. Donc, au bout de plusieurs années, la maman de Rabbi Shimon est prise. Mais elle prie de tous ses entrailles. Et elle pleure. Vous savez la force des pleurs. Elle pleure. Elle rentre directement dans le ciel. Elle casse tous les barrages. La prière des pleurs. Et là, un soir, alors que les docteurs, tout le monde lui a dit, Marab, tu ne peux pas tomber enceinte. C'est impossible. Et là, tellement elle a pleuré, elle s'est endormie. Et un rêve d'un homme, un tzaddik. Et elle se trouve dans un champ, avec la moitié du champ entièrement vert, tout beau.
Et un autre chien à côté, tout aride, tout sec. Et elle, comme ça, elle est accostée à cet arbre, tout sec. Elle le voit, le tzadik, avancer avec une cruche d'eau. Et il s'approche d'elle. Et il commence à jeter un peu d'eau, quelques gouttes sur cet arbre-là, tout sec. Et voilà que quoi ? Ouais, cet arbre-là, il commence à sortir des feuilles, toutes vertes. Et elle se réveille. Ouais, c'est quoi ce rêve ? Rabbi Shimon, il dit non. Le tzaïki lui dit, tu sais, ce rêve, ça veut dire quoi ? Tu ne pouvais pas entendre, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais ta prière, elle était tellement sincère. Tes pleurs, ils sont tellement montés fort au ciel que tu vas naître, il va naître de toi, un enfant. Un enfant qui va éclairer le peuple d'Israël. C'est cet arbre sec-là qui va commencer à sortir des fleurs vertes, des feuilles vertes. Même si en vérité, toi, tu ne pouvais pas tomber enceinte. Il va naître Shimon, le fils de Yochai. Oui, il y a des fois c'est impossible. Mais grâce aux pleurs, on arrive à changer l'impossible. Oui, c'est dur. Pourquoi c'est dur ? Vous savez pourquoi c'est dur ? Parce que derrière, il y a un grand cadeau qui arrive. Si elle avait dit, oh, je suis désespéré, j'ai pas de chance, il ne serait pas né Rabbi Shimon. Donc déjà, de la naissance, on doit apprendre quelque chose d'important. Quand il doit naître un diamant, alors il y a toutes sortes qui l'empêchent. Et nous, on ne doit pas baisser les bras. Rabbi Shimon Baorai, c'est la force de l'espoir. Rabbi Shimon Baorai, c'est la lumière. Alors écoutez-moi, ce que j'adore, moi, dans Rabbi Shimon Yochai, c'est quoi ? C'est qu'on raconte que déjà, Rabbi Shimon, il s'est sauvé, parce que les Romains, ils voulaient le tuer. Alors il s'est sauvé dans une grotte. Et il y a son fils qui se colle à lui. Mais lui, il n'est pas en danger, son fils, Rabbi Eleazar. D'accord ? Donc reste-toi avec ta maman, va manger des steaks, va fais ta vie. Aïe, 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 aïe. Comment ça fait plaisir au père. Hein, c'est vrai qu'il est dans la difficulté. Il doit se sauver. Eh bien, son fils, il va avec lui. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il vient et dit, moi et mon fils, on peut sauver le monde entier. Alors que leur fils était dispensé de rester avec lui. Il n'a pas lâché son père. Et grâce à ça, il a touché au summum de la sagesse. Rabbi Eleazar. Alors moi, ce que j'adore, c'est quoi ? C'est qu'au bout de 12 ans, alors, ça y est, il y a une voix qui dit que l'empereur qui a décrété sa mort, eh bien, il est mort. Donc alors, Rabbi Shimon et Rabbi Eleazar, ils sortent. Ils sortent de 12 ans de Torah, de lumière de Torah. Dans cette grotte, vous savez cette grotte-là ? Il y avait un caroubier, il y avait un petit ruisseau d'eau. Et il mangeait ça tous les jours, il ne mangeait pas. Si Dieu fait un miracle, qu'il a qu'à faire des super repas. Non, un caroubier. Et le Shabbat, ça se transformait en petit pain, des chalots de Shabbat. Et l'eau, elle se transformait en vin. Ah ! Dire votre Shabbat Kodesh. Et voilà qu'ils sortent. Ils sortent maintenant deux géants de l'histoire qui ont étudié avec Eliyahu Hanavi pendant 12 ans. Ils sortent et voilà qu'ils voient quelqu'un qui laboure son champ. Et là, Rabbi Shimon et Rabbi Eleazar disent, quoi ? C'est quoi ça ? J'ai pas compris. Au lieu d'étudier la Torah, au lieu d'étudier cette Torah, celui-là est en train de perdre son temps, de faire pousser des pommes de terre. Pourquoi on est venu dans ce monde ? Pourquoi ? Pour être ingénieur chez Panzani ? C'est ça notre but du monde ? Et juste,
quand ils ont vu ça, leurs yeux, ils étaient tellement purs, tellement kadosh. Il y a des rayons qui sont sortis de leurs yeux. Et il est mort sur le coup. Comment tu peux perdre ton temps, toi, un juif? Tu n'es pas un chinois. Tu es venu dans ce monde pour un but. Être la lumière des Goïm. Alors comment tu perds ton temps à être à labourer ton temps, ton champ? À ce moment-là, il y a une voix céleste qui sort. Quoi? Vous êtes sorti de la grotte pour brûler? Pour brûler mon champ? Pour brûler mon peuple d'Israël? Pour brûler les Juifs? Allez, retournez. Puni. Et voilà qu'il retourne dans la grotte. Au bout de 12 mois, Rabbi Shimon, il dit à son fils, ça y est. Le rachat, quand il quitte ce monde-là, il est puni pendant 12 mois. Ça y est, on peut sortir. Aïe, 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 aïe. Alors regardez. Il y a 2 midrashim qui sont merveilleux. Il y a un midrash qui dit que quoi? Que directement, quand est-ce qu'il sort à ce moment-là? Il sort juste veille de Shabbat. Il voit les gens en train de se préparer pour Shabbat. Il voit une personne âgée avec deux myrtes, 2 adassim. Alors, Rabbi Shimon disait à cette personne, il dit, dis-moi, pourquoi faire 2 myrtes comme ça, 2 adas qui sentent bon? Il dit, ah, je vais te dire pourquoi. Une pour Sham Zahor et une pour Shamor. J'adore ce midrash. Mais maintenant, le jour, Bisrout Rabbi Shimon, j'ai une lumière. Déjà, Rabbi Shimon était enthousiasmé de voir, regarde ces juifs-là, pour Shabbat, ils sortent avec 2, Zahor et Shamor. J'ai une mitzvah de me rappeler du Shabbat et j'ai une mitzvah de garder le Shabbat. Alors, il y a une grande discussion dans ce monde-là. Est-ce que le juif, il doit étudier la Torah toute la vie, toute sa vie, et il ne doit pas travailler? Ou alors peut-être il doit étudier et travailler. Grande discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Même aujourd'hui, vous dites, ah, pourquoi tu travailles, pourquoi tu n'étudies pas? Oui, il faut étudier. Mais il faut travailler aussi, pour que tu puisses manger. Pourquoi vous restez toute la journée à la yeshiva? Cette grande discussion, ces 2 idéologies qui sont énormes. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas fait ressortir Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eleazar un jour où ils travaillaient. Il les a fait sortir juste veille de Shabbat. Parce que normalement, il aurait dû les faire sortir un lundi, un mardi. Mais il n'a pas voulu froisser Rabbi Shimon. Toi, Rabbi Shimon, tu penses que toute ta vie, tu dois étudier? Je ne te donne pas tort. D'accord? Mais le monde, il doit avancer. Il y a des gens qui travaillent. Il faut que tu comprennes que ce monde, il y a des gens qui travaillent. Mais je ne vais pas te donner tort. Alors quoi? Tu crois que je vais trancher la loi? Je ne tranche pas la loi. Je te respecte, Rabbi Shimon. Tu vas sortir un vendredi après-midi où personne ne travaille. Tout le monde se prépare pour Shabbat. Ouais. Quand est arrivée cette lumière-là, j'ai sauté de joie. J'ai dit, bon Hachem, ouais, ouais, ouais. Même Dieu, il n'a pas voulu trancher la loi. Vous comprenez? Oui, il y a des gens qui pensent qu'il faut étudier tout le temps. Parce que le monde, il tient grâce à ça. Et puis en plus, quand on veut avoir des Rambam, des Ravod Yosef, des Rabbi Shimon, s'ils se mettent à travailler, ils n'arrivent pas à arriver très haut. Surtout aujourd'hui. Il y en a d'autres qui pensent, non, il faut travailler, étudier. C'est ce que tu as marqué dans ta Ktouba. Ça, c'est le premier midrash. Deuxième midrash, regardez. Le deuxième midrash, il dit que quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti avec Rabbi Eleazar. Oui, il est sorti avec 2 Shabbat. Mais une fois que Shabbat s'est terminé, ils sont tous repartis au travail. Une partie. Et Rabbi Eleazar, il ne pouvait pas supporter. Alors il dit, quoi, regarde, celui-là, il est en train de labourer. Mais c'est pas possible, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait en train de labourer au lieu d'étudier la Torah?
Donc Rabbi Lazare, avec ses yeux, il brûlait la personne. Et la personne est brûlée, elle mourait. Et vous savez quoi? Le Midrash ne s'arrête pas là. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec ses yeux, il guérissait la personne. Il la faisait revivre et il la guérissait. Et hop, il avançait dans une autre rue. Et Rabbi Eliezer, il brûlait. Et Rabbi Shimon dit guérissez. Aïe. Quand j'ai vu ce Midrash, pareil, j'ai eu une lumière. Oui, il y a des fois que quand on commence à étudier et quand on prend cette Torah qui est merveilleuse, alors on n'arrive pas à comprendre des fois son prochain. Et on le juge de façon trop dure, par la justice. On peut même le brûler avec nos mots. Aval Rabbi Shimon Bar Yochai, après 12 ans et encore un an dans la grotte, Ken, il a compris qu'il faut avoir des yeux de miséricorde. Il n'a pas dit à Rabbi Eliezer d'arrêter. Ce que tu dis, peut-être tu as raison. Mais moi, je regarde d'une autre façon. Je regarde d'un niveau encore plus haut que ça. Un jeu de pitié. Le tzaddik. Même il sait nos défauts. D'accord? Il connaît nos défauts. Mais il est là, il sait qu'on veut avancer. Donc quoi? Il ne va pas regarder nos défauts. Il va regarder nos qualités. Et grâce à regardant nos qualités, il va nous soulever. Il va nous relever. Il va nous faire grandir. Ça, c'était la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'on fait la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai et pas de Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé encore plus haut. C'est ça la force du tzaddik. Nos rabbins du Maroc, nos rabbins de Tunisie, hein, le Mala Raphaël, Rabbi Raphaël Berdugo, Rabbi Chaim Pinto, nos rabbins de Tunisie, Ken, aïe, 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 Rabbi Chaim Tayeb Lomet. Il savait regarder son peuple avec miséricorde. Même s'il pensait des fois que la halakha devait être comme ça. Tu sais quoi, celui-là est sur qui se reposer? C'est pas grave. C'est pas grave. Il va s'asseoir demain, étudier avec moi. À ce moment-là, il va comprendre la halakha. Le rabbin d'Algérie, Rabbi Ouda Ayash, Sidi Fredj, le Rav Yosef Grenassia. Ils avaient cette lumière, cette tendresse dans leurs yeux. Grâce à qui? Grâce à Rabbi Shimon. Ne brûle pas avec tes yeux les autres. Et la bénis-les. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est il sait, même s'il est haut, d'accord? Il sait savoir son troupeau, le voir avec tendresse. Aïe, 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 aïe. Et une autre chose encore, je voudrais vous dire. Il y a marqué lui et son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient dire lui et mon fils, on peut sauver le monde. En vérité, Rabbi Shimon, à lui tout seul, il pouvait sauver le monde. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter son fils? C'est pour nous apprendre une chose importante. C'est vrai que tu es un homme bien, toi. Mais pense à ton fils. S'il n'y a pas une suite dans le maillon du peuple d'Israël. Bien, bon, grâce à Kolakavot, tiens, tzaddik. Mais où est ton fils? Il faut continuer à transmettre aux enfants la Torah. Il faut connaître, là, transmettre cette lumière-là. C'est pour ça qu'à l'Agba Omer, on est là. On allume tous. On dit oui, à Rabbi Shimon, on est tous tes enfants. On continue, on veut cette lumière de Torah-là. Chacun selon son niveau. Mais on est avec toi, Rabbi Shimon. Alors, à l'Agba Omer, c'est une façon, c'est l'ascenseur où on est propulsé. C'est ça où tout le monde en allume. Des forêts à droite, à gauche, des feux de camp. D'accord? On monte à Méron ou alors on termine le Zohar. Le Zohar, on le termine. On étudie un petit peu de Zohar, même une phrase, même une vraie. Ah, pour dire, moi, je fais partie. Je fais partie de ce peuple extraordinaire. De ce peuple de Rabbi Shimon.
Bar Yochai. Ah, chez nous, à Constantin, on chantait comme ça. Bar Yochai. Nibsharta Ashrecha. Ou alors, Yatzadik Bar Yochai. Oui, on se colle tous au tzadik. L'Agba Omer, c'est notre fusée. Pour nous dire maintenant, on rentre dans la joie. On termine avec toutes ces maladies-là. Et on veut se coller à Dieu. On veut réussir, comme Rabbi Shimon. Merci, merci au Rav Yitzhak Atali pour ce shiur magnifique, exceptionnel. Ce Rav Atali qu'on aime, qui a ce sourire magnifique, que je connais d'ailleurs personnellement. C'est vrai. Je peux te dire quelque chose, Betzalel. C'est grâce au Rav Yitzhak Atali que je suis là aujourd'hui. C'est vrai, tu peux nous raconter ? Bah oui, parce que bon, voilà, je vous le dis, voilà, je me confie. J'ai pas le permis, donc, et j'ai pas de voiture d'ailleurs aussi, bah, si j'ai pas le permis. Et donc, je ne savais pas comment me rendre ici à Meron. Rav Yitzhak Atali m'a débrouillé quelqu'un, Baruch HaShem, qui vient tous les ans. Waouh ! Et qui voulait aussi venir, il ne savait pas comment. Et Baruch HaShem, on a eu cette autorisation grâce à l'association Hidabrout de pouvoir venir ici. Et cette personne-là a pu venir. Je remercie aussi le Rav Atali qui était avec nous il y a quelques instants, parce que sans le Rav Atali, apparemment, Noam n'aurait pas été à mes côtés. Et sans Noam, l'émission n'aurait pas été la même. Voilà, donc on remercie évidemment Hidabrout de nous permettre de nous donner ce zchout, cette chance, ce mérite exceptionnel d'être là. Je vous rappelle qu'on est en direct dans un studio improvisé, comme vous pouvez le voir derrière nous. Dans une maison. Dans une maison, sur le toit d'une maison d'un druze, juste à côté. C'est, quand je vous dis juste à côté, c'est à allez, 10 mètres, même pas. Ouais. On la voit ici, la Mehara. De la Mehara, oui. Et la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans laquelle il s'est réfugié avec son fils pendant 13 ans, alors qu'il était persécuté par les Romains. Il a dû se cacher, se réfugier, jusqu'à ce que ces décrets s'annulent. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que même s'il y a des décrets dans le ciel, il a la force à lui tout seul de les annuler. Tzadik gozer akadosh baruch hu mekayem. Ça veut dire que si un tzadik il décide qu'un décret doit s'annuler, ce décret s'annule. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que le jour de l'Agba Omer, c'est le jour, c'est son jour, c'est mon jour. Le jour de la Sephira, Hod Sheba Hod. La splendeur de la splendeur. D'ailleurs, le Rav hier, le Rav Shushana nous disait que dans chaque juif, il y a cette Sephira du Hod. Pourquoi ? Parce que Yehudi, c'est un juif. Yehudi, ça s'écrit Yud au début, Yud à la fin et au milieu. He Vav Dalet. Hod, la splendeur. Donc nous sommes des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Magnifique. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait un peu shana, mais la vérité, on kiffe, on est là, il y a un petit vent quand même. Il y a un petit vent. C'est un chesed, mamash magnifique. On est bon, Hachem, on sent le avir du Eretz Israël. Quel kiff, quel amour, bon, Hachem. Merci Hachem, il faut remercier Hachem. Ça y est, il n'y a plus de rasra, il n'y a plus de ramma. Aujourd'hui, c'est sauf à caisse, l'école Sarotenu. Amen. Il n'y a plus de Sarah, il n'y a plus rien. Je ne suis pas rave, mais voilà, je vous souhaite de tout mon cœur et du cœur aussi du Betzalel, à gauche, à droite, je ne sais pas où il est son cœur. En tout cas, tout notre cœur, on souhaite que des Yishuot, que des délivrances pour tout leur âme Israël. Il n'est pas rave, mais parfois on se demande s'il n'est pas ravagé. Ça va, je suis encore jeune. Enfin, il nous fait rire. Il y a un début de calvitie, mais ça va quand même. Il nous fait rire. Noam, j'aimerais te dire, et en même temps dire à tous nos téléspectateurs, que dans pas longtemps, dans quelques minutes, à 18h, il me semble que c'est dans une demi-heure, un peu plus qu'une demi-heure. J'ai pas l'heure, la vérité. Tu vas voir que on va être en direct de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Magnifique. Et on va voir des Talmidei Chachamim qui vont faire le Sioum du Zohar Akadosh. C'est-à-dire qu'ils vont terminer ensemble ce qu'ils ont commencé déjà depuis hier soir. Ils se sont répartis tout le Zohar à une dizaine de Avrichim, je ne sais pas exactement combien de personnes. Ça correspond à plusieurs dizaines de personnes qui ont lu en même temps ce Zohar Akadosh et qui vont le terminer ensemble. Dans quelques instants, et d'ailleurs c'est à ça qu'on va assister, on va vous partager ces moments, on va vous les commenter en live Be'ezrat Hashem. Mais sachez que à la fin de ce Sioum, à la fin de ce, voilà, il y aura 1500 Sioumim, on me dit à l'oreillette, pas un seul, 1500 parce que c'est Avrichim de Bnei Brak, de Kiryat Sefer, de Yerushalayim, de un peu partout en Eretz Israël, qui se sont associés ensemble pour terminer pas un mais 1500 Zohar entiers. Vous savez à quoi ça qu'est-ce que ça représente? Le Zohar, c'est un gros pavé. C'est énorme. Et pourtant, voilà. En araméen, en plus. Et en plus, ils ne vont pas juste le terminer. Exactement, c'est en araméen. Ils ne vont pas juste le terminer, mais ils vont le terminer devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et mes chers amis, c'est un Ed Ratson. C'est un moment vraiment propice pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes. On arrive bientôt à la Neila
de, on peut dire, la Neila, mais parce que le jour de l'Akba Omer, il compare également à Yom Kippour, la même Kedusha de Yom Kippour. C'est magnifique. Comme c'est marqué chez la Neila. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis la cravate. Oui, voilà. Mais non, mais juste pour souligner ce que tu dis, c'est un Yom Kippour. C'est-à-dire qu'on voit, même que, comme on disait tout à l'heure, des gens de tous bords qui se rassemblent ce jour de l'Akba Omer. On dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on est là, tout même les petites grand-mères, tout le monde a entendu parler de ce Rav. C'est un Rav qui nous rassemble. C'est un peu comme ce jour de Yom Kippour. Ça dit qu'il y a ça. Même les Juifs de Kippour, tous ces gens qui pourraient l'année ne pas pratiquer, mais là, on se rassemble. Il y a cette ardoute, il y a cette unité, qu'on puisse avoir cette unité toute l'année. Comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Et notre force, elle est dans notre bouche, grâce à la prière. Et dans la bouche de qui? Principalement dans la bouche des tzadikim. Quand un tzadik, il est gozer, on a dit tout à l'heure, il décide, il décrète, à Kadosh Baruch Hu, il accomplit. De quoi je parle? Eh bien, tous les noms que vous allez citer, que vous allez donner maintenant par téléphone, je vous rappelle que vous avez encore l'opportunité, vous avez encore cette chance de réaliser... de réaliser ça. Donc vous allez composer le numéro 01 82 88 09 83, c'est le numéro d'Idabrout qu'on peut appeler depuis la France. Si vous êtes en Eretz Israël, vous faites juste le plus 972, non pardon, ça c'est quand on appelle, c'est en Israël, 0 plus 33, et ensuite 1 82 88 09 83. Vous voyez à l'écran, on voit les images de ces tzadikim, de ces talmidei chachamim. Avec le Rav Yitzhak Batzri, je crois apercevoir le Rav Yitzhak Batzri d'ailleurs. Exactement. On va le présenter quand même, bien sûr, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quand même le fils du Rav David Batzri, qui est le Rosh Yeshivat HaMekoubalim. Ouais, c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils du Ben Ishraï. Wow. C'est le petit-fils du Rav Salman Moutsafi. J'ai pas vous faire, ça fait baba comme ça, mais en fait pas du tout. C'est un Rav que je connais personnellement, le Rav Yitzhak Batzri. C'est un Mekoubal exceptionnel, et on a cette chance de l'avoir ici avec, on voit entouré de talmidei chachamim qui sont en train d'étudier le Zohar avec leur talit. C'est vraiment un moment solennel. Effectivement, on peut apercevoir très beau moment. Ces avrichim qui ont entre les mains le livre le plus saint, le plus kadosh, Zohar Akadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar Akadosh. Magnifique. Tikkuné Zohar. Eh bien, ils sont en train de terminer les dernières lignes pour finir ensemble le Zohar HaKadosh devant la tombe. Tout à l'heure, j'ai dit devant la tombe de Rabbi Shimon, mais finalement, ce n'est pas devant la tombe de Rabbi Shimon, c'est devant la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai, la grotte dans laquelle eh bien, ils se sont rendus pendant 13 ans, car ils étaient pourchassés, ils étaient poursuivis par les Romains, et ils se sont rendus pour étudier ensemble, pour se cacher d'abord, évidemment, mais en même temps, ils ont reçu la Torah. Ils ont aussi dévoilé les secrets de la Torah. Voilà, vous voyez à l'écran le Kamea, c'est-à-dire l'amulette qui a été écrite par le Rav Fuchs, qui est un grand Mekoubal. Donc c'est l'amulette qui s'appelle Ma'ayan HaYeshua. Ma'ayan, encore une fois, j'ai dit à Yeshua, excusez-moi, Ma'ayan HaChokhma. Cette amulette, elle a une force exceptionnelle que tout celui qui a la possibilité de se la procurer, de la voir chez lui, eh bien, il a son cœur qui s'ouvre pour toutes les matières de la Avodat Hashem, pour se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, pour sentir la Kirvat Hashem, la proximité avec Hashem. Mais pas seulement ça, ça ouvre les portes de la Parnassa, ça ouvre les portes de la Bracha, du Shalom Bayit, de tous les Inyanim. Croyez-moi, ce Kamea coûte une fortune. Non seulement pour ce qu'il représente, mais en plus pour du fait qu'il a été écrit justement avec beaucoup de sainteté, beaucoup de Kdusha, avec des kavanot exceptionnels. Et en plus, il est tout en argent. Et vous voyez que ce Kamea, on va pouvoir vous l'offrir. Mes chers amis, profitez. Il reste encore quelques instants, quelques moments avant le grand Siyoum du Zohar HaKadosh, comme on a dit, 1500 livres de Zohar qui vont être lus, qui vont être terminés ensemble. Voilà, on aperçoit le Rav Yitzhak Batzri avec les Mekoubalim et les Talmidei Chachamim derrière, qui sont en train d'étudier le Zohar HaKadosh. D'ailleurs, Betzalel, juste, je voulais te dire, hier soir, j'étais en train d'étudier le Zohar, enfin, ce que je pouvais, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas l'araméen, mais j'ai pu avoir cette chance de l'ouvrir et même de lire quelques mots du Zohar, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas déplaisant, c'était bien au contraire, c'était un kiff, la vérité, et j'ai même entendu, j'ai lu dans l'introduction de ce livre, le Tikkuné HaZohar, que j'ai à la maison, qu'il est bien d'étudier, qu'il est bien de lire, même si on ne comprend pas un mot. D'ailleurs, je ne comprenais pas un mot, c'était du charabia pour moi, de l'araméen. Mais
Il est décrit que cela peut purifier l'âme. Il est décrit même que le rabbi Nachman Mibreslev, je crois, a dit qu'en étudiant, en lisant même la Guersa, c'est-à-dire une lecture simple sans comprendre, même sans la comprendre, même sans la comprendre, on peut arriver à des compréhensions dans d'autres limoudim, dans d'autres études de la Torah. Exactement. C'est ce que Rabbi Nachman dit d'ailleurs dans son livre Hayyim Oharan, qu'en lisant simplement le Zohar, ça ouvre le cœur pour toutes les autres matières de la Torah, pour la Gemara, pour voilà, simplement même quelques mots, mais voilà. Le Rav Shlomo Amar également a dit récemment dans son shiur que tous les Baal et Tshuva et tout le monde, pas seulement, de lire tous les jours si on peut 3 pages, 4 pages, 5 pages de Zohar, ça dure 5 minutes, je vous assure, même si on comprend pas. En tout cas, on se sent pur, on se sent. Il y a un minhag, je crois, en plus, tous les mots de ces Shabbat, on voit des synagogues ou de Marocains, ou même pas de Marocains, de toutes sortes de gens qui étudient le Zohar ensemble, le mot de ces Shabbat. Et c'est vraiment quelque chose de beau, en fait, qui peut purifier l'âme. Et vraiment, il faut sauter sur l'occasion, alors si on peut le faire. Parce que je crois qu'il y a plusieurs. Il y a le Tikkuné Zohar, alors je ne connais pas la différence, il y a le Zohar Hadash, le Zohar Kadosh. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont. Excuse-moi Noam. Oui. Dans un instant, on va voir des moments d'hier soir, des moments très très forts d'hier soir. C'était la Hadlaka du Rav Shmuel Eliaou, qui est le fils du Rav Mordechai Eliaou. Du Rav Mordechai Eliaou, Zchutot Hagen, allez nous regarder la ressemblance pour ceux qui ont connu son père, le tzaddik Rav Mordechai Eliaou. On a l'impression de le voir, pourtant c'est son fils. Juste à côté, voilà. Le Rav de Tzfat, c'est ça? Oui, le Rav de Tzfat. De Tzfat. Et vous allez voir, il est accompagné d'un autre grand Rav tzaddik à côté de lui. C'est le dernier allumage qu'il y a eu, le dernier allumage central qu'il y a eu hier soir, Meron Tavshinpe, donc 5780. C'est l'année hébraïque dans laquelle nous sommes. Et vous pouvez voir le feu de la Gaomer, cette Sifra, ce hesh de la Torah, ce feu de Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient nous apporter de la lumière dans toutes nos maisons. Et c'est ça qu'on a besoin, vraiment, de cette simcha, de se sortir de tout ça, sortir d'Exeroth, et que toutes ces Exeroth, toute cette épidémie se transforme en Yeshua, en Yeshuot, en délivrance pour tout l'armée d'Israël. Amen. Tout amen. Ça grâce au Tzadik et Sodolam, Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet allumage exceptionnel du Rav Shmuel Eliaou, du fils du Rav Mordechai Eliaou, qui était aussi Rishon Letzion, le grand Rabbin d'Israël. Zchuto Yagen Aleinu Amen, Bal Kol Am Yisrael. Bezrat Hashem. Non, vraiment, c'est vraiment fantastique de voir cette simcha, ce feu, comme je disais, de Lag BaOmer, qui nous rassemble, parce qu'on se rassemble tous autour des Médorot. Alors cette année, c'est vrai que c'est spécial. Alors on allume une petite bougie, on allume quelque chose, mais on sait que ce feu-là vient nous apporter une lumière pour toute l'année, Bezrat Hashem. Tu as raison, Noah, mais si je t'avais dit il y a 3 mois, Noam, tu sais quoi? Cette année à Méron, il y aura 100 personnes.
Tu m'aurais pris pour... C'est qui ce jbeb là, pour un maboule. Parce qu'il n'y a aucune raison au monde, comment on aurait pu s'imaginer une chose pareille. Sans personne. Qui c'est qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, on devait être là pour vous montrer, parce que voilà, c'est pas quelque chose de... C'est comme si tu disais à Hacham Selem, bon, elle m'avait dit, mais je sais pas, genre, il va y avoir deux personnes qui vont acheter de la viande pour Pessar, c'est pas possible. Exactement. Donc, les Avdil, comme tu as dit, on ressent la Kdoucha exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète maintenant, dans quelques instants, il va y avoir le Siyoum du Zohar à Kadosh qui va être réalisé par des Avrichim qui étudient dans la Kdoucha, dans la sainteté, qui ont commencé hier soir et qui vont le terminer ce soir au moment de l'apogée, on peut dire, de l'Akba Omer, le sommet. On peut dire la Sha'at Ne'ila de l'Akba Omer, parce qu'on a fait un parallèle. Tout à l'heure, on a dit que la Kdoucha de l'Akba Omer, c'est comme la Kdoucha de Yom à Kippourim, imaginez. Donc Yom Kippour aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit que Noam, il a mis la... La cravate, voilà, on a mis la cravate, Dirvod. La cravate. Et pour tout le monde, pour vous aussi, parce que voilà, je serais venu comme ça, un peu sec, comme ça. Bon, lui, il a le petit truc, moi, je l'ai pas, le petit truc comme ça, bon. Sympathique, on peut se moucher avec, c'est sympa. Parlons sérieusement, Noam. Nous avons la on chance... On est sérieux. Moi, ce que je vous conseille, c'est, pendant que vous nous regardez, de profiter pour allumer un air, pour allumer une bougie, si possible avec de l'huile d'olive, en l'honneur du Tana et Loki. Zetzetoun, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous allez allumer en mentionnant le nom des personnes qui ont besoin de bracha. Mais avant ça, je vous rappelle que le numéro de téléphone qui s'affiche sous vos yeux, 01 82 88 09 83, c'est un numéro de téléphone que vous devez maintenant composer, parce que vous allez pouvoir mériter que non seulement aujourd'hui, les rabbanim, à la fin du Siyoum, du Zohar, à la fin de cet événement exceptionnel, vont mentionner devant la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai pour que Rabbi Shimon puisse intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour toutes vos délivrances. Noam, on n'est pas en train de rigoler, c'est très très sérieux. Non, j'ai pas dit que tu rigoles. Non, je rigole pas. Mais je dis que c'est très sérieux. C'est une simcha sérieuse, c'est-à-dire c'est une simcha kadosh en fait. On n'est pas là pour... On s'éclate, l'éclatante. Non, on s'éclate, mais c'est une simcha de Kdoucha. Je me rappelle un pasouk qui dit Gilou Birada. Gilou, ça veut dire vous réjouirez dans la Re'ada. Dans la crainte. C'est-à-dire que c'est une crainte dans la simcha. C'est à ne pas confondre évidemment avec de la tristesse, au contraire. Mais là, on sait que toute l'humanité entière a besoin de délivrance. De délivrance, amen. Pour la parnassa, pour le chinour, yeladim, pour l'éducation des enfants. Malheureusement, il y a beaucoup, on entend beaucoup, beaucoup trop d'enfants qui sortent du droit chemin, du chemin de la Torah et des mitzvot, et qui vont parfois même rencontrer des conjoints ou des conjointes non juives. Et évidemment, c'est une douleur, c'est un tsar énorme pour ces familles-là. Et ils ne savent plus quoi faire. Le kaméa que vous voyez sous vos yeux, cette amulette, comme vous le savez, qui s'appelle Ma'ayan. C'est le chomre. À Chochma. Ma'ayan à Chochma, qui a été, donc c'est le caméa de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève de Rabbi du Arizal, du Ari Akadosh. Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est le Ari Akadosh. Eh bien, ce caméa a une force exceptionnelle d'ouvrir le cœur de ses enfants pour la Avodat Hashem, de leur donner envie, tout simplement, de leur donner envie de se rapprocher de leur père, qui est Bashamaim. Et quelle plus grande joie pour un père qui n'a pas vu ses enfants depuis longtemps, de retrouver ses enfants qui viennent d'un coup, qui reviennent chez lui dire « Papa, je t'aime, je ne t'ai pas oublié, papa, je reviens vers toi ». Eh bien, c'est exactement ça qui va se passer grâce à ce caméa. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Vous composez le 01 82 88 09 83. On s'approche des dernières heures, des derniers instants, avant la grande prière qui va être récitée par le Rav Batsri, le Rav Amekoubal, le Rav Yitzhak Batsri, depuis la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va mentionner les noms des personnes que vous allez
dire maintenant au téléphone que vous allez communiquer. Alors profitez-en, c'est une occasion rêvée, une occasion qui ne se présente vraiment pas tous les jours. Et là, c'est vraiment entre vos mains. Prenez le téléphone, composez le 01 82 88 09 83. Et Milag Adlag, Noam, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. Milag Adlag d'aujourd'hui, c'est-à-dire de Lag Baomer de cette année 5780 jusqu'à l'année prochaine 5781, le Lag Baomer, un an jour pour jour, ses rabbanim, ses avrechim vont venir prier pour vous, pour mentionner les noms et prier pour vos délivrances, pour le Simcha, pour votre Parnassa, et bien sûr aussi, on n'a pas mentionné pour la Refoua Shlema, parce qu'il y a, malheureusement, il y a des gens qui souffrent encore de ce terrible virus. Et Bezat Hashem, que toutes ces délivrances et que tout... Zerach El Kayama, combien de personnes attendent des enfants impatiemment et font toutes les tarboulottes possibles. Ils essayent de faire les ségoulottes, ils essayent de... Et là, on est chez Rabbi Shimon Bar Yochai, au sommet de l'Agba, au moment le plus haut de l'Agba Omer, quelques instants avant la tombée de la nuit. Eh bien, profitez-en. Regardez, on a la chance d'avoir... de recevoir la rabbanite Yamima Mizrahi, que mesdames, je pense que vous adorez, mais cette fois-ci elle va vous faire une surprise, elle va vous faire un petit discours en français. Bechavod rabbanite. Aujourd'hui, c'est la journée d'amour. Quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est Tu Bishvat, regardez le frère de Tu Bishvat, c'est tout. Be'av. Be'Tu Bishvat. On fait la table la plus belle pour le Mashiach. Tu Bishvat, c'est le jour d'écologie. C'est le jour qu'on montre au bon Dieu qu'on est vraiment conscient de ce qui arrive autour de nous. On a fait une table aussi belle, aussi pleine de fruits, pleine de brachot. Mais pourquoi il n'est pas là, Ben David? Parce qu'on a la chonara, on se déteste. On doit marcher dans ce monde des gens qui font la bracha. Je veux que ce monde soit béni. Je veux que les gens soient heureux. Cette génération a besoin de brachot, a besoin de tendresse. On ne peut plus leur dire anirotse. On ne peut plus leur dire anidoresh, je demande. La seule chose qui va les sauver, la seule chose qui leur montre que vraiment tu es écologique, vraiment ton cœur, il veut que lui, il grandisse. Vezaken il est gadel. Banim ou venez banim, c'est ce qui va sauver ce monde. C'est la bracha. Bracha, c'est de regarder quelque chose de vieux, d'ancien, avec des yeux nouveaux. La période du coronavirus est difficile pour tout le peuple juif. Les gens sont confinés chez eux et confrontés à des difficultés financières. Mais pour une partie de la population, cette situation est encore plus compliquée. Les personnes âgées. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont enfermés chez eux, sans que leur famille ni leurs amis ne puissent leur rendre visite. Ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur. C'est pourquoi Ida Brout a décidé d'aider ces personnes et de rendre visite à chacune d'entre elles. Nous allons à la rencontre de Moshe. Venez avec moi. קשה להיות לבד. אשתי נפטרה, הייתה לי בת שגם כן נפטרה בסיבות מסוימות, ויש מישהו שדואג לך ובא אליך. אתה לא פעם מחכה ימים שמישהו ידפוק בדלת. אתה מחכה לטלפון מהבוקר עד הערב. והמיוחד בזה שאתם באתם והבאתם לי את ה... החבילה הזו שהיא די כבדה ודי הרבה דברים, עשה לי שמח על הלב שאני לא בן אדם נשכח, וכמוני ודאי יש עוד אלפים בארץ הזו שאתם דואגים להם, לא בגלל הצריכה, אלא בגלל העובדה שיש מישהו שדופק בדלת שמתעניין בך. זה מה שאני צריך להגיד תודה
מכל הלב, אפילו יש לי קוצב לב, אני בן אדם שעברתי דום לב לפני הרבה שנים, אין דבר יותר שלם מלב שבור. אני, יש לי לב שבור, אבל הוא שלם, ואני שלם עם עצמי להגיד תודה, ארגון הידברות, שתרמו, שתורמים, הלוואי ואני הייתי מסוגל להמשיך לתרום כמו שתרמתי פעם. À cause de l'épidémie du coronavirus, nous sommes confrontés à l'épreuve de la quarantaine. Mais certaines personnes comme Moshe sont isolées toute l'année. Il n'a ni famille, ni amis. Et sans votre aide, il n'aurait même pas de quoi manger. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'agir spécialement dans ce contexte si difficile. Afin que ces personnes retrouvent le sourire et la joie de vivre, nous avons besoin de votre aide, chers téléspectateurs. Faites un don pour aider Moshe et toutes les personnes qui, comme lui, sont isolées, ceux qui n'ont personne pour les aider. De cette façon, vous ferez entrer de la lumière dans leur foyer. Waouh, waouh, waouh. Nous venons de voir, encore une fois, ce sirton, ce film dans lequel nous avons tous vu un témoignage, plusieurs témoignages de personnes âgées qui étaient chez eux et qui ont témoigné donc de ce que ça a pu leur faire de recevoir des envoyés d'Idabrout qui viennent chez eux leur taper à la porte avec des colis de nourriture qui sont dans avec des personnes qui sont dans des conditions vraiment, vraiment extrêmes, des conditions économiques, financières vraiment terribles. Et pourtant, Idabrout ne les laisse pas tomber. Idabrout, vous savez, fait énormément de kirouv, de bien au Ham Israël, au Neshamot du Ham Israël. On ne peut pas parler de tout le chesed que Idabrout fait. Sinon, on parlerait des heures maintenant. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'on est vraiment au maximum de l'Akdoucha, de l'Akba Omer. On est vraiment en train de vivre les derniers instants d'un des jours les plus grands de l'année qui est comparé, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, à la Kedoucha de Yom Kippour. Et c'est maintenant, on va voir dans quelques instants le Rav Batsri. Qui va conclure justement le Zohar avec ses Talmidei Chachamim qui l'entourent, qui sont en train d'étudier regardez ces images, les derniers dapim, les dernières pages du Zohar qu'ils lisent intensément chaque mot. Et donc ils sont en train de finir cela. On a cette chance-là de pouvoir assister à ce sioum. Effectivement, Noam, les dernières pages du Zohar qui vont être terminées ici devant la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. On y est, on est en live. On les voit, ils sont vraiment, vraiment pas loin de nous, on les regarde. Et je peux vous dire que l'intensité, elle est, la kedusha, elle est énorme. La simcha en même temps, et en même temps, c'est de l'émotion, beaucoup, beaucoup d'émotion. Et sachez que vous devez profiter de ce Eid Ratzon, de ce moment de grâce tellement propice. C'est comme si vous êtes au moment de la Neila de Yom Kippour, le jour de l'Akba Omer, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Tana Eloki. Et on vous invite à composer le 01 82 88 09 83. 01 82 88 09 83. Vous allez recevoir ce caméa qui va vous apporter de la bracha à la maison. Si vous avez des problèmes de shalom bayit, si vous avez des problèmes dans le chinuch, dans l'éducation des enfants, avec l'éducation, malheureusement, des fois c'est pas facile, surtout dans notre génération où le yetzer hara il est grand. Sachez que ce caméa, il va pouvoir adoucir le cœur de vos enfants. Il va pouvoir vous ouvrir les portes de la Parnassa. Il va pouvoir également vous ouvrir les portes de la pourriout. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants également, ce caméa va vous aider. Mais en plus si ça ne suffisait pas, pendant un an, les Avrichim vont mentionner votre nom et le nom de vos proches pour toutes vos délivrances, tout ce que vous avez besoin. Amen. Pour la refoua, pour la bracha, pour la simcha, pour tout ce que vous avez besoin. Alors composez maintenant le numéro 01 82 88 09 83. Faites un effort, ouvrez votre cœur. Juste pour répéter ce que tu as dit tout à l'heure, sur le caméa, ça peut paraître des fois, quand on voit comme ça, un caméa, un talisman, de quoi on parle là, ça fait un peu gris-gris comme ça, mais pas du tout, Chas v'Shalom. On sait que même des grands tzadikim, comme le Rav Yitzhak Kadori, composer des caméas et donner des caméas à des gens qui étaient en détresse, qui avaient besoin absolument, Noam, d'une yeshua, d'une délivrance. Le Rav Yitzhak Kadori offrait un caméa et l'écrivait de sa main. J'ai vu des témoignages. Alors c'est vrai, il faut dire, Noam, aussi que ça existe beaucoup, malheureusement, de charlatans autour de ce sujet, ah oui, qui font un peu tout et n'importe quoi, qui essayent de vendre et faire un business de tout, et encore plus pour faire croire des miracles.
en mettant des pages de Picsou dans des... Voilà, on a entendu des histoires dans des amulettes comme ça et en les vendant très cher. Ici, on n'est pas en train de les vendre, on est en train de vous les offrir grâce aux routes que vous allez avoir de la Tzedaka, que vous allez donner pour le Irgun Hidabrout, pour qu'on puisse vraiment redonner le sourire à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, à ces personnes qui sont confinées depuis tellement de temps, qui attendent avec impatience une Yeshua. Et grâce à Hidabrout, eh bien, on va pouvoir le faire. Regardez cette amulette, elle n'est pas très grande, mais croyez-moi, ça va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de bracha chez simcha, vous. On a besoin de simcha. Un peu de simcha, là, fais-nous kiffer, là. Bar Yochai, on l'a faite. Maintenant, on va faire celle-là. Bar Yochai façon sfarad, un peu comme ça. La façon sfarad. Ah, voilà, exactement. Vas-y, lance le chien. Vas-y, Betsalel, fais-nous kiffer un peu. Bar Yochai, nimshachta shrecha, shemen, sason mechaverecha, Bar Yochai, שמן משחד קודש נמשכת ממידת הקודש נעשת ציץ נזר הקודש חבוש על ראש חפריך. J'espère que vous êtes en train d'allumer les Nérod pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et retenez cet air là, parce que franchement on connaît tous Bar Yochai Nimshachta, mais là celui-là c'était un air un peu plus farad, un peu plus de chez nous. Retenez-le, faites-le le vendredi soir, faites kiffer un peu les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens et de Marocains qui ont dû se reconnaître avec cet air. L'Afrique du Nord, parce que même les Tunisiens, on les accepte, les tout le monde. C'est pas un air tunisien. Fais tunisien si tu veux, mais fais-nous kiffer les Salel. On a besoin de ça, on veut de la simcha. Là, les gens, ils sont en race. Fais-nous rire. Bon, Noam, tu veux que je te fasse kiffer? Vas-y. T'as entendu parler de Rabbi David Hanania Pinto? Oui. Le Hadmour, Rabbi David Pinto. Un grand sadique. Il va nous régaler dans quelques instants. On invite le Rabbi David Hanania Pinto, le Hadmour, à nous dire quelques mots à l'antenne. Bechavod, Rabbi David. Bechavod. Le jour de l'indépendance, Yom Ha'atzmaout, ce qu'on appelle ici, c'est les gens, ils font à la hesh. Ils font des grillades, ils vont en famille dans les parcs. Et vous savez, le mot à la hesh a une double expression. Le feu ou le feu de la Torah. On compare aussi la Torah au feu. Le feu de la Torah calme l'esprit des gens ou le feu des envies. À la hesh. Notre indépendance, elle n'est pas uniquement maintenant c'est l'indépendance de l'État d'Israël. Ne pas oublier l'indépendance de l'être humain lui-même. C'est pas une fois dans l'année. L'indépendance, c'est chaque jour. L'homme indépendant, c'est l'homme qui étudie la Torah. La liberté et l'indépendance de la personne, c'est uniquement lorsqu'il maîtrise ses mauvaises qualités dans ses mains. Il maîtrise sa colère. Il veut parler de la médisance. Il la méprise. C'est ça, un homme libre. Pour prendre ton indépendance de lui, à la hèche, le feu de la Torah. On a la possibilité d'être des gens indépendants pour toute l'année, pour toute la vie, avec la Torah. Et avec ça, tu t'approches, si tu veux, vers Be'ezrat Hashem, vers Matan Torah, qu'on va recevoir la Torah. Waouh, merci au Rabbi David Hanania Pinto, l'Admour, le Rabbi David Hanania Pinto, ce tzadik. D'ailleurs qu'on a la chance maintenant de l'avoir en Eretz Israël. Je sais qu'il a beaucoup voyagé, le Rabbi Pinto. Il s'est rendu en France, il était à Paris, il était à Lyon, je crois. Maintenant, il est à Ranana, je crois. C'est ça. Il a des mosdotes un peu partout dans le monde. Partout, c'est extraordinaire. À Bagan, à Ashdod et j'en passe. En tout cas, merci Rabbi David Pinto pour cette intervention. Vous savez, en ce moment, c'est la corona. Tout le monde en parle, tout le monde le vit, tout le monde malheureusement le subit. Et oui. On a tous entendu autour de nous des gens qu'on connaît, des gens proches. Tous. Parfois proches et très proches qui sont atteints et même qui ont disparu. Et moi, j'aimerais dire un petit mot sur donc là-dessus. Sachez, mes amis, que voilà, tout le monde en parle dans le monde. On cherche un vaccin, n'est-ce pas? Exactement. Tout le monde cherche le vaccin de ce virus. Le remède. Alors, tant bien que mal, eh bien, les Israéliens, encore d'autres pays, et surtout Israël, est très, très avancé à ce niveau-là. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que vous faire remarquer que ce virus, c'est le seul virus au monde
qui nous dit lui-même quel est son remède. Il crie lui-même quel est son remède. Je m'explique. Corona, si on coupe ce mot en deux, on peut entendre les mots Corona. Ça veut dire quoi? C'est comme si il nous dit Coro, appelle-le Na, s'il te plaît. Appelle qui? Appelle Akadosh Baruch Hu. Implore Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, tout le monde est en bidoud, tout le monde entend ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire bidoud? Le confinement. Isolé. Tout le monde est isolé, tout le monde est confiné. Maintenant, c'est vrai sortir. Que depuis ces derniers jours, ça a commencé un petit peu à s'ouvrir. Baruch Hashem. En Israël. Mais en tout cas, en France, je crois aussi. Également depuis le 11. Eh bien, cet isolement, il nous rappelle finalement l'importance de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu, d'arrêter toutes les occupations qui nous prennent tellement de temps. Et on court après quoi finalement? On court après la Parnassa, on court après toutes les rédifotes de ce monde. Mais finalement, on doit se rappeler, surtout pas oublier Akadosh Baruch Hu, qu'on doit l'implorer. Donc implorer Akadosh Baruch Hu, regardez comment c'est beau. Dans ce nom, la Koro, Na, implez-le s'il vous plaît. Implez-le s'il te plaît, c'est lui-même qui nous dit c'est quoi son vaccin. La prière. Et on est certain. Regardez, en parlant de prière, dans quelques instants, le Rav David. Le Rav Yitzhak Batsri. Pardon, le Rav Yitzhak Batsri. Le fils du Rav David d'ailleurs. Et qui est un grand, grand Mikoubal. Qui est entouré de Avrichim, Tzadikim, qui étudie le Zohar Kadosh devant la Mehara de Rabbi Shimon. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle. Et pourtant, on est là en live, en direct, pour vous montrer ces Avrichim, qui sont des pères de famille, et qui étudient la Torah, qui s'adonnent à l'étude de la Torah, qu'Hachem les bénisse. Amen. Et d'ailleurs, on les remercie pour tous ces srouyot. Eh bien, vous voyez également le Rav Yitzhak Batsri, pardon, qui a le Zohar aussi devant lui. Ils sont en train de lire les dernières pages. C'est le moment, c'est le sommet. Le sommet de l'Akba Omer. Sha'at Ane'ila, juste avant la tombée de la nuit, on est quelques dizaines de minutes avant la tombée de la nuit ici en Eretz Israël. Et on sait que combien c'est important de profiter de chaque seconde du jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, à la fin du Siyum HaZohar, lorsqu'ils vont terminer le Zohar à eux seuls, entre eux, et encore 1500 autres Zohar qui sont distribués en Eretz Israël, donc répartis entre d'autres Avrichim. C'est en ces instants que ça va se terminer. Et à la fin de tout ça, avec toute la Gdusha de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar, eh bien, le Rav va bénir. Et vous allez entendre le Rav qui va citer les noms. Va citer les noms des personnes que vous allez maintenant mentionner grâce au numéro de téléphone 01 82 88 09 83. 01 82 88 09 83. Si vous appelez d'Israël et que ça ne marche pas, c'est normal, il faut faire le préfixe. C'est un numéro français. Appelez ce numéro, plus 0033 1 82 88 09 83. Ouvrez votre cœur, faites un don pour les personnes âgées qui attendent impatiemment, qui attendent vraiment de manière désespérée qu'on puisse venir toquer à leur porte également et leur offrir tout ce qu'on a à leur offrir, de la nourriture, des paniers remplis de mamtakim, de douceur, pour leur redonner beaucoup de kiff. Il y aura d'Adamrou, tu penses, dans ces... Je sais pas si c'est des Tunisiens et d'Abrout, la vérité. En tout cas, c'est des Israéliens, donc il y aura peut-être des bambas, des trucs. Mais il y aura du kiff, il y aura des kiffs. On a besoin de ça, on a besoin de kiff, la vérité. Betzalel, fais-nous kiffer. Fais-nous encore un petit shir, là, quelque chose. Un piou de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un petit piou de Rabbi Shimon, je sais pas, quelque chose. Vas-y, on est à Pkin, là. On est à quelques mètres du kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est exceptionnel. Waouh. Regarde, Noam, je vais chanter dans un instant. Mais regarde, on va chanter. Voilà, on voit le et kever. On voit en live les images du kever de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Tana Eloki Tzadik et Sodolam. Bar Yochai Sodolam. Bar Yochai Sodolam. Zechuto Omed Olam. זכותו עומד עולם עד בו בן דוד מלך בר יוחאי אשרי חלקו ואשרב אשרי חלקו ואשרב ואשרי כל חבריו
Allez. Je connais pas bon, les paroles. Dommage qu'on n'a pas les paroles. On aurait continué avec plaisir. Vous pouvez l'appeler pour vos bar mitzvot, vos mariages, tout ce que vous voulez, coupe de cheveux, ce que vous voulez. Il est là, Betzalel Ben Lolo. Magnifique, magnifique Betzalel. Avec ce micro, on se ferait chez BFM la veille. Tu vas voir l'homme. Bon, écoutez, là maintenant, on retrouve les images maintenant du Rav Batsri qui est entouré des Avrichim devant la grotte. Devant la grotte. Avec imaginez que Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Eliyahu Hanavi était là avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 13 ans, Noam ? Ah bah écoutez, ils ont pas. C'est sûr qu'ils ont pas. Ils ont pas pris de la dame roude et des machins, c'est sûr. Moi, que j'ai, en plus, que j'ai qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Du caroub, je crois. Il y avait un arbre de. Un caroubier. Figure-toi que il y avait des miracles exceptionnels qui se sont passés. Parce que comment ils se sont nourris ? Eh bien, la Gemara nous raconte que dans cette grotte, où il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, eh bien, un fleuve a jailli, a coulé, un fleuve qui sortait de nulle part. Bénissime. Donc ils ont pu boire grâce à ce fleuve. Et un arbre, un caroubier, c'est ça, Etzharouvim, qui a poussé dans cette grotte. Je ne sais même pas comment ça se mange, la vérité, mais en tout cas, on les voit. C'est... Et Rabbi Shimon Bar Yochai a pu manger ça pendant 13 ans. Et de l'eau. C'est extraordinaire. Donc, c'est un des miracles. C'est marqué qui, donc, pour que leurs habits ne s'abîment pas, ils rentraient dans la terre. Ils rentraient pour étudier avec Eliyahu Hanavi, parce qu'au bout de 13 ans, vous savez, des habits, ça s'abîme, surtout à la qualité de l'époque. Eh bien, pour pouvoir étudier la Torah dans la Kedusha et la Tahara, eh bien, ils rentraient, ils creusaient dans la poussière, dans la terre, et ils rentraient, ils se recouvraient entièrement. Et c'est comme ça qu'ils étudiaient la Torah dans des conditions vraiment, vraiment extrêmes. Avec Eliyahu Hanavi, croyez-moi, ils n'étaient pas malheureux. Ils n'étaient pas malheureux, ça c'est sûr. Ils chantaient Eliyahu Hanavi ou pas? En tout cas, ils avaient cette Torah, ce feu que là on retrouve tous les ans, ce hesh de Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes ces années d'études, toute cette Kedusha, toute cette Shrina qu'on ressent. Là j'étais devant là, cette Mahara, comment c'est possible? Il avait pu étudier 13 ans ici avec son fils. Toute cette Kedusha, je crois que même quand il est sorti de... Il pouvait même pas regarder quelqu'un dans les yeux, je crois. Il était rempli de pitsaïm. Il était rempli de plaies, de la tête aux pieds. Et il souffrait énormément. Par contre, Elazar, son fils, lui, non. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Il y a un enfant aujourd'hui qui m'a dit, tu sais pourquoi le fils de Rabbi Shimon, eh bien, lui, il est sorti intact, tandis que Rabbi Shimon, non. Parce que celui qui a été persécuté finalement à cause de la xéra des Romains, c'était Rabbi Shimon. C'était Rabbi Shimon. Donc c'est lui qui devait s'enfuir. Et son fils, lui, n'était pas concerné par cette xéra. Et pourtant, il a voulu accompagner son père par le zrou de la mitzvah de Kibboud Avvaem. Il est resté dans la grotte. Eh bien, il a pu sortir intact. En tout cas, ça c'était une petite histoire que j'ai entendue aujourd'hui d'un enfant. Il m'a raconté combien c'est important de respecter ses parents. Là, on parle de respecter nos anciens, de respecter nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui sont dans le besoin, mes chers amis. C'est très sérieux. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous, de nous, de comprendre combien c'était important de les soutenir dans ces moments tellement difficiles en ouvrant votre cœur et en composant simplement le numéro de téléphone 01 82 88 09 83 et en donnant tout ce que vous pouvez donner. Faites un effort. Les Foum Tsahara Agra. En fonction de l'effort sera la récompense. Plus vous allez faire un effort à ce niveau-là et plus vous allez voir que la Yeshua sera grande. Vous voyez le Kamea sous vos yeux. Le Kamea, c'est l'amulette de Rabbi Chaim Vital. Il y en a très très peu. Je peux vous dire que les appels que les appels sur la ligne d'Abrout sont vraiment très très nombreux et il nous en reste vraiment pas beaucoup. On aimerait vous l'offrir, on aimerait que vous puissiez vous aussi mériter de recevoir cette amulette chez vous qui va vous apporter une bracha exceptionnelle dans votre maison. Amen. À tous les niveaux. Et donc profitez, je vous assure que vous ne le regrettez pas. Noam, est-ce que tu as entendu parler de Rav Fenger ? Rav Yitzhak Fenger, j'ai même eu la chance de voyager avec lui à Paris pour la première fois qu'il venait en France. J'ai eu cette chance-là, c'était en mars dernier, je crois, le mois de mars dernier. Et vraiment, c'est un rave extraordinaire, exceptionnel. Est-ce qu'il t'a éclaté ou pas ? Mais il nous a éclaté, c'est un showman. Bien sûr, c'est un rave, un Talmid Chacham avant tout. Mais il a aussi ce talent de parler, ce Kouach HaDibour. Et de faire rire surtout. Bien sûr. Et on espère qu'il va nous régaler. D'ailleurs, j'en suis sûr.
On invite le Rav Yitzhak Fanger à nous dire quelques mots, Bechavod, Kvod Rav. הובילו אותנו למשהו טוב, ולהבדיל ההפך, דברים טובים בתחילה שחשבת וואו, התהפכו למשהו שהצטערת בכלל שהתחלת עם זה. אדם לא באמת יודע מה טוב לו, באמת אני אומר לכם, האדם שהגיע לבית חולים פסיכיאטרי, פסיכיאטר לוקח אותו כבר סיבוב, אתה יודע, רואה אחד החדרים, אחד שם צועק, רוחלה, רוחלה, אומר לבן אדם לפסיכיאטר, מה קרה? אומר, הוא רצה להתחתן עם בחורה רוחלה. שבועיים לפני החתונה, הבריזה. עשתה לו ברז, שירה אותה עם הזמנות. שבור, מסכן. עובר חדר אחר, שומע אחד אחר, רוחלה, רוחלה. אומר לו, פסיכיאטר, בוא נשובר את לבבות זאת. מה קרה? אמר, לא, זה התחתן עם רוחלה, גמרה אותו לגמרי, אתה מבין? השם יעזור. לא באמת אנחנו יודעים מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. קחו את החיים כטיול, באמת אני אומר לכם, כמסע. אני יודע דבר אחד, שאני לא הנהג. אני נותן לבורא עולם את המפתחות. אבא, לקח אותי. אני סומך עליך. אני יכול להתפלל, אני מבקש ממך, בורא עולם, בבקשה, תעשה לי את הטיול, שיהיה לי כיף, כאילו, או נחמד לפחות, כאילו, אין לי כוח ל... אתה יודע. אבל אני סומך עליו שיודע לאן אני צריך להגיע. רק תזכרו תמיד, כשאני אומר סקרנות, פשוט דבר אני רוצה לתת לעצמי באמת לחוות את הדברים. אל תחכו שיהיה איזה רגע שאז, אתה יודע, אחד אמר לי הרב, אני לא מאושר כי אני לא נשוי. אני אהיה נשוי הרב, וואלה, וואלה. יש פה חבר'ה נשואים? דבר איתם. אני לא אומר שנשואים לא גורם אושר, אבל אם אתה חושב שרק אם תהיה נשוי אתה תהיה מאושר, זה פה לך אכזבה מאוד גדולה. הזוג שנשוי, אבל אין להם ילדים, הוא הרב, אין להם ילדים, ילדים, זה שמחה. בשיר. בסדר שאנחנו אוהבים אותם, שמשנים, הם חבל על הזמן. אבל בינינו, מול בינינו. רוב הדמעות שלנו בחיים, רוב הפולוס, על מה הולך? אז אולי שהילדים יגדלו, בעזרת השם, אתה יודע מה? שהילדים יגדלו, אתה יודע, אוף, גוזל. יאללה. תהיה לי מהחיים, אז נתחיל לחיות. אז פתאום לא יודע, לי ים שעמם, או כאילו, מה רק אני ואת? שעמם קצת, מה נעשה? נו, גם הגב שלי כואב, ואני לא... אל תחכו לאיזה רגע של טה-טה-טה-טה-טה. כי כואב לי, אני אומר את זה ברצינות, כי העולם בחוץ, בפרט מי שקשור למדיה, העולם משדר שקר. כל המדיה, הכוונה היא הרשתות, מה שנקרא, מעלים תמונות. איזה תמונות מעלים? כאלה. יוסף, כאילו, כיף לנו בחיים, כיף לנו. זה החיים? ממש לא, ממש לא. אף אחד לא מראה תמונה. נמאס לי מהחיים, בא לי למות. תכלס, זה המצב. בוא נהיה אמיתיים, רוב הזמן אנחנו בתנוחה כזאת, לא יודע מה אתכם. זה התנוחה היותר מציאותית לה כזאת. אבל כולם מעלים, וזה רק ש... מה זה כיף להם בחיים? רק אני, לא יודע מה. ותמיד הדשא לשכן נראה ירוק יותר, לא יודע, אתה רואה זוגות. איזה כיף להם, נראה לי, מה זה זוגיות טובה? רק אני, כאילו... שקר! כולם אותו דבר. בגדול, בגדול. בסדר, אני לא אומר שאין לו דברים יפים. גם לך יש דברים יפים. יש לו תקופות יפות, אני לא אומר שלא, גם לך יש תקופות יפות. יש גם תקופות ממש לא יפות. ממש לא. אחרי, בוא ניקח את החיים כטיול, בסדר? כטיול אחד גדול. כדולפין, אתה יודע, שטס שט בים. אני חווה את החיים, טוב, לא טוב, אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד. בסוף יהיה טוב, כי כל דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה. אני לא רואה את זה עכשיו, בסדר. אני מפלא שהקדוש הוא יראה לי את זה. ואם לא, אני סומך עליו, באמת אני סומך עליו. Grâce à votre participation, nous nous rendons à présent chez une autre personne âgée. Nous traversons une période difficile qui génère des problèmes financiers au sein des foyers. De nombreuses femmes sont au chômage tandis que leurs maris voient leur chiffre d'affaires décliner. Chers téléspectateurs, HM s'adresse à vous. Tendez la main à vos frères et je vous aiderai en retour. Chers amis, si nous ne soutenons pas ces personnes âgées,
elles resteront seules et n'auront même pas de quoi se nourrir. Personne ne leur rendra visite ni ne les aidera. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. הידברות, ושיהיה לכם כל טוב, ותודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים. Vous avez vu à quel point cette visite est émouvante et comment le simple fait de frapper à cette porte a permis de redonner le sourire à cet homme. Certaines personnes sont isolées toute l'année. Personne ne leur rend visite ni ne les aide. Et c'est là que vous intervenez, que vous entrez en scène. En aidant une personne âgée, en faisant en sorte qu'elle ait de quoi manger matin, midi et soir. Faites un don dès à présent, ne laissons pas nos aînés à l'abandon. Waouh, Noam, encore une fois, on a vu cette vidéo qui nous montre les actions d'Idabrout. Qui... On remercie aussi le Rav Yitzhak Fenger, aussi, sans oublier le Rav Fenger, qui était une artsa exceptionnelle, un chiour qu'on a vu. Magnifique. Eh bien, sachez, mes chers amis, que là, nous sommes vraiment... Aux derniers instants de l'Akba Omer, au moment vraiment le plus haut, le plus kadosh, je crois. L'apogée de ce grand jour, de ce Yom Kadosh Venora, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que ce jour m'appartient. D'ailleurs, tu sais, Noam, que le soleil, lorsqu'il a dévoilé les secrets le jour de l'Akba Omer, la nuit devait tomber. Il a retardé la tombée de la nuit, il a arrêté le soleil, pendant quelques instants, pour te dire la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'il puisse terminer, parce qu'il a dit que c'est ce jour-là que tout doit être dit. Et c'est ces instants, on va voir les images également dans quelques instants de Rabbi Yitzhak Batsri, qui est un grand Mikoubal, et qui est en présence de tous ces Avrichim, qui sont en train de terminer, de faire le Siyoum du Zohar. Eh bien, vous savez que lorsqu'on termine une Maseret, ou lorsqu'on termine un livre de Torah, et à plus forte raison le Zohar à Kadosh, eh bien, lorsqu'on s'associe à ça, c'est comme si nous-mêmes, lorsqu'on assiste à ça, c'est comme si nous-mêmes l'avons terminé. Très très beau. Comment on le voit ? D'ailleurs, on le voit dans les lettres du mot Siyoum. Regarde celle-là. Ouais. Siyoum, ça s'écrit Samer, Yud, Vav et même Sophit. Donc, on dit que le Niglé et le Nistar Shavim, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est révélé, donc a priori c'est ceux qui le terminent, eux-mêmes le Zohar, et le Nistar c'est ceux qui sont cachés, finalement ceux qui assistent simplement à ce Zohar, eh bien c'est Shavé. Comment c'est Shavé ? Comment c'est pareil ? C'est vrai, on n'a pas fait tous ces efforts, et pourtant tu dis que c'est pareil, c'est quand même incroyable. Et on le voit dans les lettres. Samer, c'est 60 en valeur numérique. 60, oui. Comment on écrit Samer ? Donc Samer c'est ce qui est révélé, donc c'est la lettre Samer. C'est la lettre qui est fermée, je crois. Et comment on écrit un Samer ? On écrit Samer, même Chaf Sofit. Si on devait écrire le mot Samer, on écrivait Samer, même et Chaf Sofit. Le même c'est 40 et Chaf c'est 20. Fait. Donc Chaf et même et Chaf, c'est 40 et 20, c'est 60. 60. Donc pareil pour chaque lettre, Yud, Vav, Dalet. C'est aussi 10. Vav. C'est aussi 6. Et même. On arrive vraiment au Sioum, au moment tant attendu du Rav Yitzhak Batsri. Shadana Lahu Yudai, Rabbi Yossi, Rabbi Dashmi, Beinan Le Sifra,
וברזין דבילן, אשכח נאמינון שמע דמלאכין דשדה לבלק, ולא אבו מסתדרה לתיקוני כדקד, אבל כמה זידן יסתבן אשכח בי, וכמה יתקנה לתיקוני הוראיתה, ברזין סתימין דילה, וחמנה דאינון בחסידותה וצלוטין, ובאותין לקודש הבריחו. Le Rav Batsri, le Mekoubal, est en train de réciter le texte qu'on lit lorsqu'on termine un livre Kadosh, le Zohar Kadosh, Hadran Alach. Si vous voulez encore que le Rav puisse mentionner les noms de, des personnes qui ont besoin de Yeshua, c'est le moment. Vous voyez le numéro qui s'affiche sous vos yeux. 01 82 88 09 83. N'oubliez pas l'indicatif si vous appelez d'Israël. Vous allez faire l'indicatif plus 33 1 82 88 09 83. Ouvrez votre cœur. Faites un don pour Idabrout pour qu'on puisse aller réjouir ces personnes âgées. דביטל מעלמה חרשין דלית ובני נשאר כמו הוא מודים להשם שהקדוש ברוך הוא ביטל את כל העניין של הכישופים מכל העולם מבטר תחלתה דקוש הבריך הוא התברך והתברך שמו אמן עד כאן ברוך אדוני לעולם אמן ואמן אמן בנוך אדוני לעולם אלוהי ציון דבדור עלייה אמן ואמן אמן. אז לפני קבלת עול מלכות שמיים, כבוד הרב, אנחנו מבקשים מהרב ממש רגע אחד. Alors juste avant la קבלת עול מלכות שמיים, je crois que le Rav va se rassembler avec tous ses tamidei chachamim et va faire une prière pour recevoir le joug divin. Vraiment, c'est vraiment ce moment kadosh tant attendu, ce sommet, comme tu as dit tout à l'heure, la Neila de Lag BaOmer, je crois. Tout à fait, Noam. C'est en ces moments même que ça se passe, en direct de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans laquelle il y avait Rabbi Shimon, son fils pendant 13 ans avec Eliaou Anavi. Je vous rappelle le numéro de téléphone, un seul numéro pour mériter de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. C'est le 01 82 88 09 83. Pendant un an, je vous rappelle que pendant un an à partir d'aujourd'hui, Milag Adlag, depuis ce jour jusqu'à Lag BaOmer de l'année prochaine. Un an de tfilot. Un an de tfilot où votre nom sera mentionné sur la tombe. Quand je dis chaque jour, c'est même le Shabbat. C'est même le Yom Tov, tous les Yamim Tovim, et même, on m'a dit tout à l'heure, même Yom Kippour. Tous les jours de l'année, très, très beau. Tous les jours, vous allez avoir le zchout et le mérite d'avoir Rabbi Shimon Bar Yochai qui vous accompagne. Magnifique, vous magnifique. Avez besoin d'une parnassa tova, vous avez besoin d'un bon zivouk, vous avez besoin du Zerach El Kayama, vous avez besoin d'autres tfilot pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants, pour vos grands-parents, peu importe. C'est maintenant, le moment le plus haut. C'est le plus élevé de Rabbi Shimon Bar Yochai Lag BaOmer. Quelle chance, on a la chance d'avoir ce Rav, le Rav Yitzhak Batsri, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a un srout avort, un mérite de ses pères, qui est déjà extraordinaire, sans parler de lui bien sûr, c'est qui vrai. Est aussi un très grand Rav. Il est l'arrière-petit-fils du Ben Ishraï, il est le petit-fils du Rav Salman Moutsafi, le petit-fils du Rav Yehuda Ftaya, que j'ai oublié tout à l'heure. Ah bon. Et qui est aussi le fils du Rav David Batsri, donc c'est vraiment un srout. La balma aden, la balma datan, dran alar sefer azor, badran alar datan alar sefer azor, datan alar datin neshem mina sefer azor, la neshem mina balma aden, la balma daté. אנחנו ממש מתרגשים, ברוך השם שזכינו, שהשם יזכה אותנו גם בעזרת השם להתחיל שוב ושוב את הספר הקדוש הזה, עכשיו בשעה הזאת, שכל האנשים שנמצאים בבתים שלהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן בישועות גדולות, אנחנו נעמוד ונבקש רחמים מרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. On va prier pour tous les auditeurs. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Chers
téléspectateurs répéter ces phrases que le Rav mentionne maintenant. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam vaed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam vaed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam vaed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai Yoshi'ana, Adonai Yoshi'ana. Il installe son royaume sur cette terre. Adonai Yoshi'ana, Adonai Yoshi'ana. Adonai Yatzlichana, Adonai Yatzlichana. Adonai Yatzlichana, Adonai Yatzlichana. Bechol lev, aneni Adonai. Chukecha etzora. Karati bechol lev, aneni Adonai. Chukecha etzora. Adonai debacha nitzav b'shamayim. Le'olam Adonai debarecha nitzav b'shamayim. Enu Adonai elecha nitzav b'shamayim. Qu'il reste, Hashi amenu kekedem. Hashi amenu Adonai elecha b'shuva. חדש ימינו כקדם. תהא השעה הזו רום המון רצון חמים בעת רצון מלפניך. תהא השעה הזו שעה חמים בעת רצון. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, זכות התנא הקדוש שנמצא פה במקום הזה, התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, זכות אליהו הנביא זכור לטוב, זכות כל הפמליה, כל הצדיקים, כל ברי מאמנה וכל הצדיקים שלמדנו בספר הזוהר הקדוש שמוזכרים פה, כל השמות הקודש שנמצאים, כל האותיות הקודש שנמצאים פה, שהקדוש ברוך הוא זכות אבותי הקדושים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל הקהל הקדוש כל משאלות לבכם לטובה. אמן. שכל העוזרים והמסייעים והתומכים וכל הקהל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחת כל משאלות לבכם לטובה. אמן. שכל הרווקים, הרווקות, הפנויים והפניות שיזכו השנה להקים בתים נאמנים בישראל. שכל הנישואים שיהיה להם שלום בית אמיתי. כולם יהיה הרבה בנים, הרבה בנות. פרנסה טובה. Des enfants en bonne santé. Amen. 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 Quelle émotion. 1500 livres de Zohar à Kadosh ont été achevés en ces instants au moment le plus élevé de l'Akba Omer, qui est le Sha'at Ratzon, qui est le Et Ratzon, le Sha'at Anehila de l'Akba Omer, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 82 88 09 83. 83. Vous pourrez revoir cette émission, vous pouvez la transmettre. Si vous voulez faire partager ces moments exceptionnels que vous avez vécu avec nous. C'était un vrai plaisir en tout cas avec vous. Voilà, je vous vois à travers. Vous êtes très sympathique en tout cas. Beau gosse, ça fait plaisir. On espère vite vous revoir d'ailleurs. Il y a toutes sortes de gens, ça fait vraiment plaisir. Et Betzalel, quel kiff. J'ai eu la chance de présenter avec lui. On peut l'applaudir très fort s'il vous plaît.
Bon, allez, calme-toi. Calme-toi, Noam. En tout cas, merci à l'association Ida Brout. Merci de nous avoir donné ce mérite de pouvoir être vraiment à quelques mètres de la Mehara, de cette grotte où Rabbi Shimon Bar Yochai a pu étudier pendant 13 ans. Baruch HaShem. C'est des moments d'émotion qu'on vous a fait partager. On espère que vous les avez ressentis. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Que des joies. On pense à vous, on prie pour vous. Et n'oubliez pas ce numéro de téléphone. Vous pouvez toujours demander s'il reste. D'ailleurs, on me dit qu'on ne sait pas justement. Donc vous pouvez toujours essayer. Mais quoi qu'il arrive, on priera pour vous pendant un an, jour pour jour, même s'il ne reste plus de caméa. Vous pouvez encore essayer de vous procurer ce caméa en composant ce numéro de téléphone. Un seul numéro, 01 82 88 09 83. N'oubliez pas le caméa et également la tfila, Milag Adlag pendant un an. Extraordinaire. Merci en tout cas, Betzalel. Merci à vous. Merci à vous. Merci à très bientôt sur la chaîne d'Ida Brout. ברשות מורי ורבותיי, אנחנו עכשיו נמצאים ביומד ההילולה של התנא אלקי רבי שמעון בר יוחאי, שמאות אלפים היו מגיעים ליומד ההילולה של הצדיק התנא אלקי, ובעוונות הרבים בגלל הקורונה, בגלל המגפה, לא חוץ מכמה שיש להם הזכות להגיע ביניהם ההידברות, שברוך השם, מגיעים לשם וכדי לברך את כל הקהל הקדוש בשם כל הרבנים שמתפללים על כל אלה ששומעים רוב היהודים יושבים בבידוד או שיצאו אבל אין להם רשות להגיע בגלל Alors Hag Sameach, cette fête extraordinaire de l'Agba Omer. Alors vous savez que l'Agba Omer, il s'est passé trois événements fondamentaux qui sont liés l'un à l'autre. Un, c'est la fin de la mort de l'épidémie d'après la plupart des vues des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Deux, c'est 50 ans plus tard au moins, la Histalkout, l'élévation, l'âme de Rabbi Shimon qui est montée au ciel. Trois, c'est le 18 Iyar, c'est le jour où la manne est tombée la première fois dans le désert. Alors quel rapport, vous allez me dire, quel rapport entre ces trois événements ? Il y a un rapport très profond. La manne, c'est la notion de la lumière divine qui se fait matière. Ça veut dire que la lumière divine se fait nourriture. La Gemara, elle dit, l'onitna Torah et l'ale ochle aman. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir un double mouvement, de comprendre que la nourriture qu'il absorbe est en vérité de la lumière divine. Vous savez que c'est ça la grande épreuve de l'acte jouissif de consommer. Quelqu'un peut consommer quelque chose et redevenir une bête. Quelqu'un peut consommer quelque chose, fermer les yeux, se dire, mais cette jouissance que je reçois dans mon corps, elle vient d'où ? Elle vient de l'amour que Dieu porte à sa créature. Dieu est en train de me nourrir à ce moment-là, quand je mange. Quand il me nourrit, c'est un flux divin qui me donne la vie, comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Dans cette expérience de la nourriture, il est dans une zécoute, dans un ribour, dans une fusion, union totale avec son créateur. L'acte de jouir, l'acte de manger, est quelque part un acte plus profond de liaison avec le divin que l'acte de prier ou d'étudier. Parce qu'il est lié à la vie, au nœud de la vie. Or, quand on te dit que la manne, c'est la lumière, le ziv ashrina, ça veut dire la lumière divine qui se fait nourriture. Ça veut dire que dans la nourriture elle-même, tu as l'expérience de la trace du divin qui se vit existentiellement dans la conscience, dans la toda'a, qu'au moment où je mange, je comprends que cette nourriture me vient de Dieu et me donne la vie. Et il n'y a pas de plus grand lien avec une personne qui, à cet instant, te donne la vie. Mais d'un autre côté, ce mouvement est dialectique. De la même façon que la lumière se fait nourriture,
la nourriture doit se faire lumière. C'est toute la notion de korban, de sacrifice qu'on donnait au temple, de la matière, on en faisait la lumière. Mais c'est aussi quand on mange, quand on fait les brachas, quand on partage le repas avec d'autres, l'événement trivial, animal, de se nourrir, de se substanter, est transfiguré par un événement spirituel qui passe par l'échange, la Torah, les brachot, la prière. Et donc ça, c'est l'élément cardinal de l'Agba Omer. Quel rapport allez-vous me dire avec le fait que Rabbi Akiva, que Rabbi Shimon Bar Yochai quitte ce monde? Parce que justement, Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui a réussi à lier, et ça c'est le grand problème, on va essayer d'en parler rapidement, la profondeur du jour, la lumière et la matière. Vous remarquerez que tous les grands, pratiquement tous les grands Tanaïm avaient une origine des fois pas très catholique, pas très juive. Rabbi Akiva, le plus grand, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, son père était un guerre, un converti. Rabbi Meir, Shtam alacha kamo, la alacha est comme Rabbi Meir, la Mishnah, pardon, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, justement, mais la Mishnah est comme Rabbi Meir, Stam Mishnah Rabbi Meir, c'est la Torah chez Balpé. Son grand-père, c'était Néron, Néron Caïsar, le Néron, on ne sait pas si c'est le fameux Néron qui a incendié Rome, mais en tous les cas, parce que grand année, Moshe Rabbeinu, David Améler, le roi d'Israël, l'ancêtre du Messie, était précisément celui qui venait de route à Moabit, hors Moab, nous dit le Gaon de Vilna, c'est la Gamatria, la force numérique de 49, même Alev Vav Bet, 49 sources d'impureté. Ça, vous prenez Berlin, Paris, New York, dans les boîtes de nuit les plus malfamées, dans les endroits les plus pervers, vous les mettez ensemble, c'est, on est au niveau 5 d'impureté. Et là, vous avez Moab, c'est 49. Les boîtes de nuit avant la corona. Bon, la corona a balayé tout ça. Mais comment se fait-il que le roi d'Israël, le Messie d'Israël, doit venir de Moab? Le peuple le plus tamé, le plus impur, le plus bas. Et pire que ça, la Gemara dit que Shaoul a perdu la royauté, Mishum She'en Bo Dofi. Shaoul, qui était le roi d'Israël, a perdu la royauté parce qu'il n'avait pas de tâche. Il avait une généalogie parfaite, il était noble, absolument noble. Alors c'est une raison pour perdre la royauté? Moi j'aurais dit que c'est une raison pour garder la royauté. En réalité, c'est très simple. C'est très simple et c'est le cœur de cette journée. Le seul roi d'Israël, c'est Dieu. Le peuple d'Israël, c'est un peuple de saints, un peuple de princes de Dieu. Chacun d'entre nous est un prince de Dieu. Il n'a qu'un seul maître, Dieu. En od milvado. Il n'a qu'un seul maître, c'est Dieu. La royauté d'Israël ne peut pas être une royauté comme les Goïm, une royauté de prestige. La royauté doit être une royauté de miroir. Le roi d'Israël, c'est Malchut, c'est celui qui reçoit toute la lumière d'en haut et qui la resplendit sur terre. Or, David Améler est le roi qui est capable de transformer les ténèbres en lumière, la matière en lumière. David Améler ne dit pas « je prie ». Il dit « anit fila », »,« je suis une prière ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que quand il prie, il utilise tout son héritage génétique de Moab, de la sensualité, du znout, de la libido. Il prend tout ça et le transforme en prière. Il prie, excusez-moi du terme, il prie comme un orgasme. Il prie et sa chair vibre de désir de Dieu. Ça, il n'y a que ça, Shaoul ne peut pas le faire. Shaoul est tellement haut, tellement noble, qu'il représente un prestige royal, mais il ne peut pas transformer les ténèbres en lumière. Or, c'est ce que le secret, c'est ce que dit Rav Kohanat Tzadok, il dit, c'est le secret de l'amour d'Itsrak pour Esav, pour Esaü. Tzayt piv, il chassait pour la bouche. Il a reconnu dans Itsrak le pouvoir de la Torah Shebalpé, la bouche. Tzayt piv, il voyait le pouvoir de la bouche. C'est-à-dire qu'il voyait, il voyait dans Itsrak, dans Esav, potentiellement Rabbi Akiva, il voyait potentiellement Rabbi Meir, il voyait toute cette Tanaïm de l'école des élèves de Rabbi Akiva, qui allait découvrir la Torah chez Balpé. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'idée? Alors, l'idée est extraordinaire. L'idée est très simple. Rabbi Meir, les Tanaïm, et par aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, par le fait qu'il faisait partie de la même Chaboura, par le fait qu'une partie des Tanaïm a des origines romaines, goy, avait une proximité avec le mal, qui leur permettait de transfigurer ce mal en Torah. Et pourquoi c'est important? Il y a un midrash qui dit que quand Dieu a voulu donner la peuple d'Israël, il a pris la Torah, il l'a jetée sur terre. Il a dit, « Em